J'ai un problème. Bonsoir, bonsoir à tous. Petit écran. Mariana, viens m'aider vite. Problème, regarde. On est en miniature. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais parce que t'as pas mis Just Chatting. Just Chatting. Bienvenue, quelle intro absolument incroyable. Ladies and gentlemen, bienvenue les amis dans cette émission avec mon partenaire, Mamma Mia, qui restera là, les enfants. Qui restera là, non, c'est pas sûr qu'il reste là, parce que c'est le micro qui va aller là. C'est le micro qui va aller là ou pas, je ne sais pas encore. J'espère que vous allez très très bien. Mario va vérifier que le micro tienne bien en place et ne bouge pas. Voilà, s'il ne veut pas tenir, ben c'est pas grave. Comment allez-vous tous? Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous avez passé une très très bonne semaine? Parce qu'on va la conclure ensemble. Alors, je vais donner tout ce que j'ai. C'est le dernier jour. Demain, on est en repos. Ça va faire, je crois, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de live. Je suis au bout de ma vie. Et juste avant ce live, il y avait la première de Luz Elizondo sur la chaîne YouTube. Bref, on n'arrête pas. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. Le micro est un peu imposant, mais bon, au moins, vous m'entendez correctement, avec une voix douce et délicate. Mamma mia! Ce soir, on va parler de la Nintendo Switch Pro, on va l'appeler comme ça, bien jusqu'à ce qu'on ait son nom officiel, mais on va parler aussi des jeux qui sont supposés être annoncés, ceux qu'on attend. Ce soir, je vous partage entre ce que je sais et ce que l'on va essayer de décrypter ensemble. On va passer un bon moment. Je vous laisse arriver dans le chat. Préparez-vous un petit thé, des pop-corn, un verre, peu importe. Installez-vous confortablement. Et maintenant, je vais faire un coucou au chat. Manu Mifa, Fanny Mou3A, Clairette19, Trixi Salma, Fanny, Franco Sab, Metal Geek Solid, Judark, Eternity, Modom, Roman Odad, vous êtes tous là. Ça va être la folie, bien évidemment. Si vous avez des questions, ben, je vais essayer d'y répondre. Je voulais remercier, avant toute chose, ce qui s'est passé hier. Hein, on a eu une super émission avec Yannick des Chers Players. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. Elle est encore en replay sur Twitch. Et dans cette émission, malheureusement, j'étais sur StreamYard. Et donc, du coup, je ne pouvais pas réellement interagir avec le chat. C'était un peu particulier. Et je voulais remercier, bien évidemment, ceux qui sont arrivés, les nouveaux follow. Et bien évidemment, les subs, merci du fond du cœur pour votre gentillesse et votre générosité. Vous êtes incroyables. Je vais mettre un peu de son pour entendre les notifs. Correctement, bienvenue au nouveau, les amis. Alors, avant toute chose, ce soir, on va s'amuser sur Twitter. C'est un petit peu le départ de chaque émission. Et ce soir, ce que je souhaiterais, ce qui serait fantastique, c'est que vous fassiez une photo, soit de votre setup, soit une photo de votre collection de jeux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs, et c'est simple. Vous faites une photo, vous mettez le hashtag FamiStream, et vous postez, bien évidemment, vous me taguez pour que je puisse voir. Ah, ça y est, l'épée commence, Franco Sab a lancé, je crois, l'initiation du délargage. Donc, je termine. Vous allez sur Twitter, vous mettez une photo de votre installation ou une photo de votre collection. Vous me taguez, bien évidemment. Et vous mettez le hashtag FamiStream. Et moi, je vais vous liker, vous retweeter et vous follow si ce n'est pas le cas. Ce soir, les amis, on s'amuse. On parle de Big N. Et le titre de l'émission, c'est « Que peut-on espérer de la nouvelle Nintendo Switch Pro ?» Les amis, je vous vois, vous êtes chauds, il y en a qui balancent déjà des Triforce et Trixie Sama, bienvenue, merci à toi pour ce nouveau sub sur la musique de Castlevania. Castlevania, quel jeu incroyable. Est-ce qu'on parlera de Castlevania ce soir? Peut-être, peut-être, peut-être. On sait que Konami a redéposé et semble être intéressé pour travailler sur un nouveau Castlevania et sur un Metal Gear. Alors, ça risque d'être absolument fou. Mou3 nous dit, tu vas prendre le collector Limited Run Games. Bien sûr que je vais prendre le méga collector. Franchement, ça fait très très longtemps que je n'ai pas acheté un collector. Et là, oui, 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 ce sera disponible apparemment le 14 mai sur leur site. Bon, faut pas trop le dire parce qu'on veut qu'il reste quelques pièces quand même. Mais ça risque d'être bien sympa, les amis.
Ce soir, je m'y suis mis encore aux couleurs de Mario avec ce suite extraordinaire Mario Champions, les amis. Est-ce que vous avez la pêche ? Mike Nintendo qui dit dommage que 8 jeux, tous les épisodes 2D, je craque sûr. Ouais, c'est vrai que cette compilation, il n'y a pas tous les jeux de la saga, mais c'est déjà bien. Je dirais qu'il y a presque tous les plus marquants. Il manque effectivement Symphony of the Night et les Lords of Shadow, bien évidemment. Mais bon, les Lords of Shadow, on comprend, c'est des jeux un petit peu à part. Peut-être qu'un jour, on aura une compilation des trois Lords of Shadow. Lord of Shadow 1, Mirror of Fate et The Lord of Shadow 2. Qui avait été très très décrié et qui pourtant recèle tout de même d'un lore très intéressant. Batou qui nous dit une compilation Zelda, on va en parler. La fleur, nouvelle Mario, football, on va en parler. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je veux que vous alliez me fracasser Twitter. Il faut que tout le monde soit au courant que nous sommes en live le vendredi soir, c'est Nintendo. Donc, il faut que les gens soient là et qu'on s'éclate à mort. Je n'ai pas beaucoup tweeté aujourd'hui, hein, c'était un peu compliqué, et beaucoup de choses en même temps. Donc, c'était une très, très grosse journée. Cette fin de semaine a été très, très éprouvante. Mais je suis tellement content d'être avec vous ce soir parce qu'on va s'éclater. D'ailleurs, en attendant, on a mis un petit peu le planning à jour sur la chaîne. Vous allez voir que donc, dimanche, on va terminer Projet Blair Witch et on se fera un autre jeu d'horreur. Et lundi, ce sera une soirée très particulière. C'est un nouveau concept que nous allons lancer sur la chaîne. Et ça risque d'être sympa. Je vais vous emmener avec Mariana dans notre cuisine et je vais vous faire de la cuisine japonaise. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans une boîte, une grosse boîte qui fait de la cuisine japonaise et j'ai pu beaucoup apprendre, notamment aux côtés d'un chef sushi absolument extraordinaire. Et donc du coup, j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai appris. Modom, pourquoi tu as taillé ta beubar? Ben parce que c'est vrai qu'elle devenait très très longue et un petit peu dégueu. Et puis j'ai eu beaucoup de lobby de ce côté-là. Lumini75 nous dit « Nico, le replay de ce stream sera disponible sur YouTube ?» Oui, ce sera disponible avec toujours 14 jours de décalage parce que ça reste disponible sur Twitch pendant 14 jours. Donc pour le coup, je les laisse sur Twitch pendant 14 jours avec Mariana et puis après, nous les mettrons en ligne sur YouTube. Je pense que la chaîne YouTube Famistream VOD devrait commencer à être active à partir de la semaine prochaine parce que je crois qu'on est à notre 20e jour à peu près de Twitch à peu près. Donc voilà, il faut le temps au temps. Ça y est, on est bientôt 100 les amis, c'est très très bien. Le lobby sur Twitter commence à fonctionner. Ce soir, il faut qu'on soit 200. 200, et ça, c'est grâce à vous, c'est votre voix. Vous vouliez que je prenne le micro et que je prenne la parole pour parler Nintendo. Je suis là pour vous, je suis votre humble serviteur, et ce soir, je vais vous parler de ce que je sais. Et nous allons discuter ensemble de l'hypothétique, bien évidemment, parce qu'il y a certaines choses que je sais, mais il y a d'autres que je ne sais pas. Je ne suis pas non plus dans un secret divin sur le sujet. Philemon Barre qui dit « Nico, va-t-on expliquer pourquoi la Switch est vraiment nécessaire de plus en plus pour l'épanouissement des devs de Nintendo ?» On va en parler bien évidemment tout au long de la soirée. Ça risque d'être fort intéressant. Léon nous dit « un Metroid 2, on veut avec une Switch Pro ». Il est fort probable de toute façon que Metroid revienne sur le devant de la scène, mais on va en parler. Et pour cela, je vais faire un petit tour, un premier tour sur Twitter pour voir si vous avez joué le jeu, mes amours. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Il y a du like, du retweet, mais il n'y a toujours pas de photos de vos setups. Donc, il faut des photos de votre setup. Je veux voir, moi, votre setup. Moi, je vous ouvre avec Mariana un petit bout de notre salon. Donc, j'aimerais, moi, voir votre setup, les amis. J'aimerais bien voir comment vous vivez dans votre univers un peu privé de gamer, de gameuse. Moi, j'ai envie de voir cela et c'est possible uniquement avec Twitter. Je compte sur vous, les amis. Nanarnaut, il dit, tu comptes avoir un invité à chaque émission sur les souvenirs gaming, Nanar Fox? Alors, c'est une bonne question, je n'y ai pas encore répondu parce qu'on a fait la première hier avec Yannick des Chers Players et la réponse est oui. Il y aura un invité à chaque fois sur ce type d'émission. Alors, ce sera une émission qui aura lieu probablement tous les 15 jours à peu près. Je crois que la prochaine devrait être prévue aux alentours du 14 mai et j'ai déjà un ou une invitée prévue pour cette émission.
Pour ne rien vous cacher, le planning des invités est globalement plein jusqu'à septembre. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut croire que les gens ont envie qu'on s'amuse et qu'on parle de Nintendo. Si ça, c'est pas trop cool pour une chaîne qui vient juste de commencer, franchement, on est très très flattés. Et ça, c'est que grâce à vous. Hein. De toute façon, si vous n'êtes pas là, il ne se passe rien. Donc, ça veut bien dire que vous avez envie qu'on s'amuse et qu'on parle de Nintendo en profondeur et qu'on prenne le temps d'en parler. Sans langue de bois, que je puisse vous donner des informations. Parce qu'il y a plein de petites choses sympas. Il y a plein de petites choses à vous partager. Mais quelle tuerie ce serait. Il y en a beaucoup qui sont chauds. Roby, pour un épisode, ce serait cool, bien évidemment, que Roby sera toujours le bienvenu. Metagix Solid, il dit mort de rire jusqu'à septembre, sérieux. Oui, oui, je ne plaisante pas. Le planning est plein jusqu'à septembre. Nalar Fox, il dit Cyril Drevray, Roman, je peux pas vous dire, il faut que je vous garde la surprise. Mais rassurez-vous, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de gens à qui je m'entends très bien et qui souhaitent venir parler de leurs souvenirs, de les partager. Donc, rien de tel que cette chaîne pour le faire. Vous savez qu'on va se faire ça entre ultra passionnés de la marque. Allez les amis, je compte sur vous d'aller sur Twitter, sur Twitter, sur Twitter, casser la baraque sur Twitter. Ah, Modem qui nous balance un petit setup où on voit la console, un bout de télé. Je vais liker, je vais retweeter. Allez les amis, on y va. Je vois Judar qui dit le Dawa chez Famistream ce soir et on rajoute sa collection. De très jolies pièces, je vois du Dark, du Street Fighter, il y a une Mega Drive, la Super Nintendo, il y a une PC Engine incroyable avec beaucoup d'amiibo, une femme avec des gros seins aussi, c'est vrai que c'est toujours la base. Un beau pad sous le Calibur 5, très très joli, petite installation Star Wars, bien évidemment des jeux Nintendo Switch à foison, je like, je retweet les amis, faites comme nos amis, ne soyez pas timides, ça ne sert à rien d'être timide, de toute façon vous savez qu'au bout de 6 mois nous finirons tous à poil, donc ne soyez pas timides, on est tous fait pareil. Moua3 qui dit, pense quoi du débat sur la difficulté des jeux qui s'est pointé avec Returnal? Alors c'est un débat très intéressant qui a été lancé par Julien Chiez, j'y ai pris part un tout petit peu, j'ai donné juste mon opinion. Moi, mon opinion, il est relativement simple sur la difficulté. Cela dépend simplement de comment on considère le jeu vidéo. On va essayer de ne pas être absolu. Le jeu vidéo peut être un produit comme il peut être une œuvre d'art. Il y a deux choses qui distinguent de ça. La première, c'est la volonté des développeurs ou de l'éditeur, et de l'autre, la volonté créative, hein, qui s'oppose souvent. Un produit, donc le jeu vidéo, est un produit culturel. C'est bien, on est tous d'accord là-dessus, c'est un mot qui est communément utilisé. Donc dit produit culturel, dit assujetti à du marketing, à de la vente, des objectifs de vente. Mais à côté de ça, il peut être aussi une œuvre, et il peut être les deux à la fois. Donc, si c'est un produit culturel, ça ne me fait absolument rien, merci mon Franco Sab, ça ne me fait absolument rien, moi personnellement, que les développeurs ou l'éditeur décident d'adapter des modes de difficulté à tout leur type de jeu. Par contre, au moment où cette adaptation doit changer l'esprit créatif des créateurs, si les créateurs veulent faire un jeu très dur, qui reste dans ce mode-là, en fait, on ne doit pas changer la création sous un prétexte d'accessibilité palliée à des déficits moteurs ou physiques. Attention, ça a d'autres choses. Pour les daltoniens, par exemple, j'ai des gens autour de moi qui sont daltoniens, ou des gens qui ont des déficits moteurs. Là, c'est autre chose. Ça, c'est une accessibilité qui doit être pour tout le monde, on est d'accord. Mais accessibilité en termes de skill, je pense que si c'est une œuvre, on peut laisser les développeurs faire ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas mettre un mode accessible en termes de difficulté, mais ils ne le mettent pas. Donc c'est peut-être le cas de Returnal, je ne sais pas. Je pense qu'il faut aussi accepter que les développeurs fassent ce qu'ils veulent. Si nous, en tant que joueurs, on exige une difficulté pour tout le monde, en fait, on devient l'agent pour que cette œuvre devienne un produit. Et moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est comme au cinéma. C'est comme si vous aviez dit, à Kurosawa, on ne veut pas de ton noir et blanc, il faut de la couleur, parce que la plupart des gens aiment la couleur, parce que c'est plus accessible. Non, alors, c'est un mauvais exemple pour Kurosawa, parce que c'est la technique, à l'époque, nous obligeait à faire du noir et blanc. Mais je pense qu'il faut aussi laisser les créateurs raconter ce qu'ils veulent, sans tabou,
On doit laisser les créateurs aussi faire ce qu'ils veulent en termes de jeu, à mon sens. Mais après, dans certains cas, je peux comprendre tout de même la demande que certains joueurs veulent avoir des jeux plus accessibles. Mais je repose la question à Julien Chiez et à d'autres hein, qui souhaitent avoir plus de modes. Je dis, mais il y a d'autres jeux, il y a plein d'autres jeux. Si tu ne peux pas faire Returnal ou si tu ne peux pas faire Sekiro, comme moi le premier, moi je ne les fais pas ces jeux, ça m'ennuie, c'est trop dur. Mais je vais sur d'autres jeux, il y a plein d'autres jeux, il y a pléthore de jeux. Mais le vrai débat est peut-être qu'une grande majorité de ces joueurs ne sont attirés que par les AAA. Et là, le vrai débat, la vraie question, ils sont peut-être attirés ni plus ni moins que par les AAA. Parce que la scène indépendante, elle est riche de jeux qui sortent quasiment tous les jours. Donc, voilà, c'est un débat qui est complexe. On pourrait en parler franchement des heures. Ce débat de la difficulté, j'ai pas la réponse. Moi, je vous donne juste ma sensibilité qui est entre les deux, pour le coup. Même si j'aime pas trop l'entre-deux, mais là, elle est vraiment pour... Elle est vraiment entre deux. Voilà. Si le jeu est considéré comme un produit, il faut qu'il y ait des modes d'accessibilité de skill pour tous. Si c'est une œuvre n'est pas touchable parce que son but, c'est de transcender l'esprit avant d'être un produit commercial. Voilà, ça reste. Après, vous pourrez me dire, Nico, t'es peut-être un peu utopique. Peut-être, c'est peut-être de l'utopie, vous avez peut-être raison. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Vous pouvez le dire dans le chat. Ça n'empêche pas d'aller sur Twitter et de casser Internet parce qu'on est 100 là, les enfants. Faut qu'on soit 150, 200, tous tout nus. Parce que ce soir, je vais vous balancer du croustillant quand même. Eternity dit totalement d'accord. Alors voilà, comme je le disais, je n'ai pas forcément. Et hop, mon petit sarcelle qui balance une pépite, qui a balancé un prout-prout. Oh bah dis donc, et je vous ai dit, hein, attention à ce que vous bouffez. Full Tap qui dit plutôt d'accord dans l'ensemble. Voilà, je suis assez. Mon propos est relativement dilué, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je dis, c'est que l'accessibilité au handicap physique, elle, par contre, elle, on doit pouvoir rendre demain les jeux accessibles à tout type de joueurs, aux daltoniens, aux gens qui ont des soucis moteurs, bien évidemment. C'est clair, il ne faut pas cliver de ce côté-là. Je pense que c'est bien. D'ailleurs, il y a des jeux qui ont fait des très 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 beaux efforts dans ce sens-là. Et on peut nommer The Last of Us 2, d'ailleurs, hein, qui a des modes assez exceptionnels. C'est pas le seul, mais... et d'ailleurs, Sony est assez fort là-dedans. Galette Sauce 6 nous dit « Moi, si un jeu est trop facile, je m'ennuie. Pourtant, je ne me plains pas de rendre les autres jeux plus durs. » Mais oui, bon, après, voilà, c'est pour ça, il en faut un peu pour tous les goûts. Corvi2664 nous dit « Salut les gens, perso, j'ai des phases de jeu. Try hard, puis détente. Je suis un grand fan des Souls et j'éprouve du plaisir à faire du Die and Retry. Mais je peux comprendre que sur ce point de vue, ne se soit pas partagé par tous. Chacun est libre. » Bien évidemment, c'est vrai. Il faut laisser cette liberté. Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus espérer que les jeux très durs puissent devenir accessibles à tout le monde. Je pense qu'on perd aussi un petit peu l'objectif du jeu, quelque part. Quand les développeurs veulent faire un jeu très très dur, c'est pour challenger aussi le joueur. Donc il y a une satisfaction aussi dans ce challenge, dans cet apprentissage du Dying Retry. Je donne l'exemple. Hades n'a pas eu ce débat-là. Hades est un jeu difficile, mais on apprend la progression par le Die and Retry. Il y a quelque chose d'assez fantastique là-dedans, et Hades est un exemple parfait. Je n'ai pas touché à Returnal, je le toucherai peut-être un jour, une fois que nous aurons une PS5 à la maison, pour pouvoir essayer, bien évidemment, même si c'est définitivement pas trop mon univers. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très ouvert à ça. Full Tap dit « Hades n'est pas difficile ». Non, il n'est pas difficile, il est difficile au premier abord. C'est vrai qu'on arrive au premier boss, on se fait poutrer. On le recommence une deuxième fois, on se fait poutrer. Une troisième fois, on commence à comprendre la pattern. La quatrième, on le bat. Et après, on lui roule dessus. Parce qu'on a appris la pattern, on a fait progresser le jeu. Parce que l'équipe de Supergiant, elle est très généreuse dans toutes les petites choses qu'elle met en place. Donc, je dirais que Hades est extrêmement bien balancé pour ça. Lumini75 nous dit « Moi, qui est un handicap, la seule chose que j'ai besoin niveau activité, c'est la configuration complète de la manette. » Et ça, bien évidemment. Ça, je pense que ça, c'est plutôt le vrai sujet, la vraie accessibilité physique. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment, les éditeurs peuvent faire des efforts pour rendre leur jeu accessible avec des configurations spéciales, des contrôleurs spéciaux dans certains cas. Microsoft a fait un contrôleur assez intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais refaire un petit tour sur Twitter, voir si vous avez suivi mes conseils.
parce que sinon ça va barder. Ah, King M, soirée avec famille stream, je like, je retweet, je vais regarder ta photo, King M. Mais il y a du très très beau, ce que je vois là, je vois du Metal Gear Twin Snake sur GameCube en version pâle, avec une jolie petite boîte Game Boy, du Mario Maker, du Metroid Collector, le Gold Mario Amiibo, et bien évidemment, je viens de voir les deux premiers Zelda, Zelda le premier, et puis le second Zelda en version japonaise, Famicom Disk. Qu'est-ce que c'est beau, avec quelques Amiibo très très classe, très très classe. Je vais liker, retweeter. Et King M, je te suis. Je te suis, mon ami. Je viens de te suivre. C'est tout le principe. Je vous like, je vous retweet et je vous suis. Petit plus pour le Family Stream. Toujours King M, qui d'illustrations de Zelda Awakening qui sont trop, trop belles. Très, très beau, mon ami. Je like, je retweet. Et c'est parti. Allez, les copains, on y va. On y va, on y va. On est des fous. On est des fous. Allez, on est presque 115. On va tout doucement se lancer dans la soirée Big N. Que peut-on espérer de la Nintendo Switch Pro? Alors, je vous ai pris quelques notes, bien évidemment. Je ne sors jamais sans mes capotes, sans mes notes, pardon. Ce que l'on peut attendre, alors, il va y avoir, bien évidemment, on va parler un petit peu de technique. On ne va pas trop rentrer dans la technique de la machine parce que je n'ai pas envie de m'avancer sur des choses, de un, que je ne suis pas entièrement sûr, de deux, il y a des choses que je ne sais pas. Et malheureusement, au regard de la crise et des composants, on sent bien que les constructeurs sont dans une situation un petit peu particulière avec les manquements aux composants. Et donc, du coup, il est fort probable qu'il y ait des ajustements. Avant toute chose, avant de commencer, cette Nintendo Switch Pro, vous êtes très nombreux à la demander, à l'attendre. Il y a un vrai besoin, un vrai, je crois, désir pour une grosse tranche des joueurs d'avoir une console, on va dire, un petit peu plus costaud en termes de hardware pour faire tourner un peu plus convenablement certains jeux qui demandent plus de ressources. C'est vrai que le cas de Mario 3D World et Bowser Fury, moi, j'ai pas expérimenté de lag ou ce genre de choses, mais oui, certains ont quand même mentionné des petits soucis, des petites techniques, des petits problèmes techniques autour du jeu. Donc forcément, on se pose la question, est-ce que demain, une console un petit peu plus à l'aise pourrait justement aider à faire tourner ça? Filmobar nous dit Hyrule Warrior qui, de temps en temps, a des grosses chutes de framerate. C'est vrai, moi, ça m'a pas vraiment empêché de jouer. Dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes de framerate. Je dirais que c'est surtout le mode de joueur qui est quand même pas très agréable à cause de ça. Cela étant dit, ça reste quand même jouable, hein. Mais on est d'accord que si Nintendo doit sortir cette Nintendo Switch Pro en 2022, parce qu'on va oublier 2021, je pense que 2021 va être consacré à des softs et notamment à Zelda, mais on y reviendra un petit peu après. 2022 va marquer vraiment le lancement de cette console qui va succéder à cette Switch. Quand je dis succéder, il ne faut pas imaginer une console qui va la remplacer. Nintendo va agrandir sa gamme comme ils l'ont fait il y a déjà 2 ans avec la Nintendo Switch Lite qui est réservée exclusivement aux joueurs portable, Nintendo va comme ça agrandir sa gamme et je suis assez convaincu au regard des quelques échanges que j'ai pu avoir que Nintendo a très bien compris que la grosse carte à jouer qu'ils ont, c'est bien évidemment d'adapter la machine au modèle d'Apple, notamment à l'iPhone. L'iPhone existe depuis quoi, les années 2003, 2004, un truc comme ça. De mémoire, on parle de l'iPhone, il y a eu différentes versions du premier iPhone, au 5, au X, au Pro, au 11, au 12, 13, machin, avec différentes itérations qui gardent le même OS qui, lui, évolue avec les années. La compatibilité entre les softs se situe sur quelques générations d'iPhone, puis après, on demande aux clients de passer à la version à jour. Je pense que Nintendo va s'inspirer de ce modèle-là parce que
Aujourd'hui, la Nintendo Switch est un vrai succès commercial. Je pense que personne ne dira le contraire. À la fin d'année, on était à 4, plus de 80 millions. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait entre 2 millions et demi et 3 millions de machines par mois en termes de vente. Donc janvier, février, mars, avril. Si on tape sur 3 millions, 3 fois 4, 12, je pense que nous arrivons pas loin des 90 millions de machines commercialisées. Je ne dis pas forcément vendu, mais commercialisé, même si effectivement, apparemment, dans certains pays, il y a des ruptures de stock sur la machine. Donc Nintendo est dans une dynamique qu'ils n'ont jamais connue. Et d'ailleurs, presque aucun autre constructeur n'a connu cette dynamique. Hein. La PS4 a très 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 bien marché avec une dynamique très forte. Mais là, la Nintendo Switch maintient une dynamique encore plus élevée. Et le point essentiel, c'est que les softs, les jeux qui sortent, ont une dynamique de vente qu'on n'a jamais vue. Les top 5 planétaires, à l'exception de pays comme l'Angleterre qui est particulier, il y a quand même très très forte mobilisation des jeux Nintendo dans le top 5. Je vous invite à regarder le top français, le top américain, le top japonais, on ne parle même pas, c'est même pas le top 5, c'est le top 15. De temps en temps, il y a une petite incursion d'un jeu PS4 ou PS5, mais c'est très 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 fugace. Donc, on voit que Nintendo est dans une situation qu'il ne connaissait pas. Même s'il y a eu un éclat de lumière avec la Wii, c'est vrai, mais ce n'était pas la même chose. Le sorceur nous dit, la light turquoise est sublime, je n'ai toujours pas de light, je pense en prendre une de ces quatre. Bien meilleure prise en main aussi, ma Switch de base reste 100% dockée et quand je joue en portable, je sors la light. C'est vrai que c'est une bonne solution. Alors après, moi j'apprécie énormément les sticks Ori, ces gros sticks qu'ils ont fait pour le mode portable. J'ai fait Witcher 3 de fond en comble avec ça et j'ai pris un plaisir de fou. BioShock aussi, Doom aussi. Je trouve que ces deux sticks sont absolument fantastiques pour 49 balles, moins cher que des Joy-Con. Ces sticks sont exceptionnels. Eternity nous dit, Nintendo a toujours été au top, même quand il était au top sur la partie technique, Zelda, Ocarina of Time, N64, GameCube, Star Wars, etc. Nintendo a retrouvé, c'est clair, une certaine forme d'appétence pour le public large, c'est-à-dire de 7 à 77 ans, avec un petit peu moins de présence dans le milieu des ados, je dirais de 13 à 20 ans. Effectivement, là, c'est vraiment une place très confortable pour Sony. Microsoft est dans une place un petit peu plus élevée, une tranche plus élevée, la quarantaine, en tout cas d'après les statistiques qu'on a et moi les forecasts que j'ai aux États-Unis. On voit que Nintendo commence tout doucement à se mettre en place sur tous les secteurs. On est d'accord, la console n'est pas parfaite, le line-up n'est pas parfait, mais on va y revenir, on va expliquer pourquoi et cette stratégie. Mais voilà, la partie technique de cette Nintendo Switch, le premier point, c'est l'amélioration, bien évidemment, des CPU, du GPU, de la RAM, le DLSS par exemple que beaucoup mentionnent, qui est revenu, ce serait un pas extraordinaire pour Nintendo parce que ça permettrait d'avoir des jeux assez gourmands qui tournent à l'heure actuelle pardon, sur PlayStation 4 et Xbox X qui pourraient être portés plus facilement sur Nintendo Switch Pro et permettraient aux développeurs d'être moins contraints, d'avoir une optimisation peut-être plus facile. Donc, ça, c'est un des points qu'on attend. Mais ce n'est pas le point sur lequel j'ai vraiment envie de m'étaler, parce que on a quelque chose qui est très, qui est peut-être plus intéressant. Je dirais que c'est Nintendo, son vrai challenge, c'est peut-être d'essayer de trouver une solution pour rendre cette console. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous. Les amis, je compte sur vous pour tweeter et liker et partager vos setups, les enfants, sur Twitter. Je compte sur vous. Donc, Nintendo a tout intérêt, encore une fois, je crois, à essayer d'innover avec ses versions. Je pense que c'est très très important parce que ça fait partie de leur ADN. Et quand on voit les dernières consoles, bienvenue aux nouveaux, bienvenue, vous êtes des fous, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, merci à vous. Ils ont je dirais, cette impérativité propre à leur marque, c'est de prendre des risques sur sur ce qu'ils font, ce qui fait ce qu'ils sont. Regardez la Wii avec le motion control, regardez la 3DS avec la 3D, regardez la DS avec le tactile, regardez la Wii U avec le gamepad, regardez la Nintendo Switch avec son côté
très hybride, qui d'ailleurs, en plus de l'hybridation, amène du motion control, amène aussi un petit peu de tactile, mais pas assez poussé, à mon sens. Je pense qu'il pourrait faire des expériences plus intéressantes sur des jeux portables. Vous êtes tous malades ce soir, hein. Vous êtes tous malades, hein. Mais c'est pas grave, soyons malades ensemble. Trixny nous dit, Metageek, jeu avec Nvidia est parfait. Moi, je trouve que la Switch est impressionnante en termes de puissance portabilité. C'est vrai que personne ne peut dire le contraire. Ça reste une console portable et que l'on peut docker sur un écran. Et pour le coup, il y a quand même un énorme challenge d'essayer de faire tourner des jeux convenablement sur les deux modes. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Rep nous dit, salut Nico, encore une bonne soirée en perspective. On est 90, les amis. Mais vous êtes allés où, là? Il y en a qui étaient avec nous, ils sont barrés, ils sont allés pisser. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez les chercher, les amis, allez les chercher. Donc, pour revenir sur ça, cette Nintendo Switch Pro, elle a tout intérêt à apporter quelque chose d'exotique. Alors, qu'est-ce que peut être cette chose d'exotique dans la console? Parce que on voit à côté Nintendo tenter des expériences avec notamment Pokémon Go, avec le futur Pikmin qu'on va appeler Pikmin Go, et la réalité augmentée est réellement un sujet très intéressant chez Nintendo. Ils avaient lancé ses premières cartes avec la 3DS qui était fournie dans la console. Ben voilà, on est revenu, il y a 40 personnes qui viennent de répliquer, mais c'est fantastique, moi je trouve ça magique. Faites des vagues de cœur, faites des vagues de Triforce, faites-moi péter ce chat, les amis. Ça m'envoie de l'énergie, vous savez, c'est 10 lives à la suite, c'est de la folie, c'est de la folie. Donc Nintendo a, comme je vous disais, ce besoin-là. Moi, je pense, alors, il y a ce que je pense et ce que je sais. Ce que je sais, ce que je peux vous confirmer, c'est que cette console apportera plusieurs idées exotiques dans son hard, dans sa façon d'être, mais aussi dans ses applications. Alors, est-ce qu'elles seront toutes disponibles au début? Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir des temps forts pour annoncer ce genre d'éléments, mais c'est définitivement quelque chose que Nintendo veut intégrer. Par exemple, les cas de Nintendo Labo, les cas de Nintendo Lego, le cas, par exemple, de Pikmin Go, toutes ces expériences qui ont été à l'extérieur de l'écosystème de la Switch, et c'est très bien, continueront d'exister. Mais Nintendo va vouloir intégrer ce genre d'expérience de façon, je dirais, plus naturelle à l'écosystème de la Switch. Parce que pour l'instant, la Switch, en fait, elle n'a pas ce genre de choses. On a vu Mario Kart Home Circuit sortir au mois de novembre, qui est une expérience un petit peu en demi-teinte. Le produit est très joli, c'est très bien fait. Moi, j'y ai joué une bonne dizaine d'heures avec ma fille. Voir ça à travers les yeux d'un enfant, c'est absolument extraordinaire. Mais effectivement, le jeu est quand même assez court. Il y a peu de choses. On voit que c'est un test pour voir comment ça prend, voir quels peuvent être les problèmes techniques, quelles peuvent être la réception du public. Il y a tout ce genre de challenge qui est important et je pense que Nintendo fait comme ça ses petites expériences, les tests, les met sur le marché. Nintendo Labo en était une. Et d'ailleurs, Nintendo Labo, on entendra encore parler. Pas de la même façon, mais connaissant Nintendo, ils réutiliseront ce genre de choses. Eternity Div, le Miiverse et Nintendo Land sur Switch, j'aimerais beaucoup. Effectivement, alors ça, c'est quelque chose que moi, j'avais entendu il y a maintenant au moins 5 ou 6 ans. Donc, c'était avant que la Nintendo Switch sorte sur le marché. Nintendo réfléchissait à créer un OS, quelque chose de très, comment dirais-je, très, très vivant. Qui intégrait l'idée de Miitomo. Donc Miitomo, vous vous souvenez tous, cette petite application qui avait bien marché au début, puis qui s'est un petit peu éteinte, qui était sortie sur Android et iOS, hein, qui était fort sympathique parce qu'il nous permettait de communiquer avec des gens, des fans et tout ça, mais en créant sa propre maison. De ce que moi je sais, de ce qu'on m'a dit, c'est que Nintendo réfléchit à créer un écosystème organique, c'est le mot qui m'a été dit. Quelque chose de très organique, quelque chose de vivant. Parce qu'aujourd'hui, les écosystèmes que nous avons, ce sont des dashboards. Des dashboards qui peuvent être très jolis, très bien faits. On voit ce qu'a fait Microsoft ou Sony avec la PS5. Il y a des choses très bien. L'OS de la Switch fonctionne très bien, mais il est très simple pour le moment. Je suis, moi, en plus de savoir ce qu'on m'avait dit, je suis convaincu que Nintendo réfléchit à créer quelque chose qui fonctionnerait beaucoup mieux de façon organique, beaucoup plus sympa, beaucoup plus vivant, beaucoup plus convivial, quelque chose de beaucoup plus communautaire. Et si vous vous souvenez, sur la Wii U,
On a eu le Miiverse, comme disait Eternity, mais on a eu aussi le Street Pass sur 3DS. Et on avait le Mi Plaza. Tout ça était des tests un petit peu séparés, pas ultra connectés les uns aux autres, qui sont des sortes de pré-tests pour voir comment tous ces softs pourraient fonctionner. Voigy nous dit « Une sorte de Miitopia version OS serait top ». Miitopia, c'est un projet qui est né, en fait, du Miiverse, qui est né du Mi Plaza et qui est né du Street Pass. Nintendo a essayé de donner de la vie à travers cet univers en créant quelque chose de beaucoup plus large, de plus cohérent, de plus fédérateur. Pour l'instant, c'est qu'un jeu, c'est sympa, on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est subjectif. Mais tout l'objectif demain, c'est que Nintendo crée un univers confortable. Et je crois que lorsqu'on regarde Nintendo Land, il y avait quelque chose d'assez fantastique. Imaginez si votre OS, vous pouvez jouer dans votre OS, vous pouvez vous déplacer dans votre OS. On sait que Sony avait testé quelque chose comme ça il y a déjà de nombreuses années sur, je crois, PlayStation 3, si je ne dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Nintendo réfléchit à ça, à quelque chose un petit peu comme un parc Nintendo virtuel qui nous permettrait d'avoir accès aux jeux, aux stores, à différentes options, communication avec la communauté, échange de chat, mais quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus sympathique qu'un dashboard très inspiré de ce que l'on retrouve sur PC notamment. Donc ça, ce serait quelque chose qui pourrait être fort probable, et moi je peux simplement vous dire que Nintendo réfléchit très sérieusement depuis plusieurs années à aller dans ce sens-là. Est-ce que la Nintendo Switch sera le fer de lance de cela ? Je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il y aura une étape dans ce sens-là ? Oui, ça c'est certain. Il y aura une étape dans ce sens-là, bien évidemment, avec des technologies connectées, peut-être des jouets connectés, peut-être la possibilité d'embarquer sa Nintendo Switch Pro dehors pour s'en servir sur le prochain Pikmin ou sur Pokémon Go. C'est définitivement quelque chose sur lequel on peut parier, les amis. Bon, vous êtes 110, c'est fantastique, les amis. Je vais retourner sur Twitter pour voir si vous êtes tous chauds comme des kebabs, les gars. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur Twitter ? Parce que moi, j'essaie de tout faire, mais c'est compliqué, j'ai besoin de vous. J'ai mon petit Yamafuda que j'aime beaucoup, beaucoup. Florent Gore, j'étais allé faire une vidéo assez extraordinaire de la collection de Fabrice, l'un des plus gros collectionneurs, si ce n'est le plus gros collectionneur de cartes Nintendo du monde. Il est français. Vidéo exceptionnelle que je ne peux que vous conseiller d'aller voir, Collector Quest. On embrasse très fort Florent, qui j'espère, Florent, ou même Fabrice, on est bienvenus pour faire un tour sur la chaîne et de parler de Nintendo. Les embrasse très très fort. Roquet nous dit, est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle manette Switch Pro conçue par Poa, vendue à 99 $, une manette qui reprendrait des caractéristiques similaires à la Xbox Elite? Alors, c'est une question intéressante, parce que pour l'instant, on évoque que la machine, mais les manettes. Les manettes, la première chose que l'on peut dire, c'est que le Joy-Con Drift va définitivement disparaître. Il est impératif pour Nintendo de répondre au plus rapidement, et déjà je trouve qu'ils ont un peu traîné, mais y répondre avec cette nouvelle itération, de mettre sur le marché des nouveaux Joy-Con plus solides, c'est impératif. De ce que je sais, c'est que les sticks, les boutons et la croix directionnelle seront entièrement revus. Cette nouvelle itération devrait amener une vraie évolution sur ses sticks, ses boutons et apparemment surtout sur sa croix directionnelle qui effectivement aujourd'hui n'est pas réellement une croix, ce sont plutôt des boutons. Alors de quelle façon ils vont relever le challenge, je ne sais pas. Mais tu posais la question sur une manette pro, je n'ai absolument rien entendu de ce côté-là de façon officielle. Donc je ne vais pas commenter, je ne sais pas, peut-être, il est fort probable que des constructeurs de manettes décident un jour de faire des manettes plus pro, encore plus pro que la pro que nous avons. C'est vrai que Microsoft avec sa manette Xbox Elite, c'est quand même une manette assez exceptionnelle. Je vais prendre Eternity qui dit « Tu crois que c'est possible les manettes Joy-Con bizarres qui se plient en deux ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Otsagan 70 dit « Tu serais quand pourrait arriver une mage de l'interface de la Switch pour faire arriver les thèmes et les dossiers ?» Otsagan, c'est une question extrêmement récurrente. C'est vrai qu'on la voit sur les réseaux. Beaucoup demandent justement une sorte d'amélioration, une nouvelle version de l'OS. Moi, je pense que ça va venir avec leur nouvelle machine, parce que ce sera le moment d'avoir une vraie communication
forte sur l'évolution du soft, du software, de l'OS de la machine. Et je crois que Nintendo n'est pas extrêmement pressé. Parce que pour le moment, le succès de la Nintendo Switch, c'est ses jeux. C'est les jeux, on le voit, les softs marchent très très fort, les jeux Nintendo essentiellement bien évidemment, mais quelques éditeurs tiers tirent très très fortement leur épingle du jeu, arrivent à des seuils de rentabilité qu'ils n'avaient jamais connus sur Nintendo Switch, et d'ailleurs pour preuve, on le voit, les portages du nombre de jeux que nous avons eus montrent en fait la volonté de ces éditeurs de mordre un bout du gâteau. Et c'est pour ça qu'on va, je vous dis ça sur la partie technique, ce que je peux vous dire, c'est que des jeux PlayStation 4, Xbox, des très gros jeux, vont être annoncés et sortiront sur la machine parce que le Nintendo est poussé par ses éditeurs qui veulent sortir sur ce parc de marché leur jeu. Le parc de marché s'agrandit. On est, comme je vous disais, à probablement plus de 90 millions aujourd'hui. À la fin d'année, nous aurons passé les 105, probablement même peut-être 110 millions de consoles vendues, alors que la Pro ne sera pas arrivée. Et la Pro va continuer, en fait, cet agrandissement de base de joueurs. Alors, quel va être ça va être un challenge énorme quand même pour les développeurs de pouvoir faire tourner les jeux sur la Switch de base et sur la Pro. Certains, j'imagine, décideront de ne les faire tourner que sur la Pro. D'autres les feront tourner sur les deux avec des concessions. On va voir comment ça fonctionne. Je pense qu'il y aura des packs de textures qui seront téléchargeables. On a déjà vu ça de nombreuses fois. Donc, je pense que techniquement, il y a plein de choses faisables. Et aujourd'hui, les éditeurs sont très motivés. Moi, je peux vous dire qu'un éditeur qui aujourd'hui a tourné le dos à Nintendo, mais qui est dans une dynamique de vouloir changer cela, c'est Activision. Activision qui a globalement soutenu Nintendo de façon assez régulière. On pense notamment à la Wii, un des jeux éditeurs tiers les mieux vendus, c'est un jeu Activision. C'était Guitar Hero 3, Legend of Rock, qui a extraordinairement bien marché. D'ailleurs, toute la franchise Guitar Hero a très bien fonctionné sur Nintendo Wii. Peut-être un retour de Guitar Hero sur Nintendo Switch parce que le parc de marché est là, parce qu'il y a un attrait aussi pour des expériences qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense que c'est le genre de machine où ce genre de choses est faisable. Et bien évidemment, l'arrivée de Call of Duty sur Nintendo Switch sera une évidence sur cette Nintendo Switch Pro. Il est aujourd'hui pas envisageable pour Activision de se passer de ce parc de marché qui est devenu beaucoup trop important. Est-ce qu'on verra arriver Destiny ? Est-ce qu'on verra arriver ce type de jeu ? Pour Destiny, je ne sais pas. Call of Duty, c'est en très très longue discussion et ça finira par arriver parce que la personne qui gère Call of Duty, quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré, que j'ai pitché, à qui j'ai passé plusieurs soirées aux États-Unis, qui s'appelle Bob Loya, ne m'a pas dit exactement, mais a laissé sous-entendre très fortement qu'aujourd'hui, personne ne peut se passer du parc de Switch. C'est pas possible. Les PS5 et les Xbox n'ont pas ce parc. Les PS4 et les Xbox, PS4 et Xbox X sont en perte de vitesse. Et donc, du coup, il n'y a que le parc de Nintendo qui est en expansion, qui est le parc solide de jeux aujourd'hui. La PS5 va arriver, mais il va lui falloir peut-être 2 ans et demi pour avoir un parc de 30, 40, 50 millions d'exemplaires. Elle ne va pas les faire tout de suite. En fin d'année, elle sera peut-être si elle est réappro, parce que c'est un peu sujetti au réappro, bien évidemment, donc c'est un peu compliqué. Mais tout ça a ralenti le déploiement des PS5 et des Xbox. Donc, tous les éditeurs se disent, mais c'est pas possible, nous, il faut qu'on continue à vivre, on a des énormes équipes qui tournent, on peut pas sortir les jeux sur PS5 et sur Xbox Series X parce que les parcs sont pas assez installés, et donc, du coup, pas assez installés, trop de risques économiques, donc il faut trouver une solution. Et la solution va être l'arrivée de portages sur Nintendo Switch Pro qui va être une sorte de bridge pour ces éditeurs. J'espère que vous me suivez toujours très bien. Je vois que vous êtes 120, vous êtes attentifs. Mettez des vagues de cœur à la communauté qui est extraordinaire parce qu'on s'entend bien, on parle du top et on se fait plaisir. Otsakan66, je suis désolé, des fois je reprends un peu les questions aux mêmes personnes, c'est parce que des fois il y a des couleurs qui sont plus vivantes que d'autres, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Otsakan qui dit, le cloud gaming va-t-il s'intensifier sur Switch ? Bien évidemment, le cloud gaming
Voilà, un bon petit P à l'ancienne, bim bam boum, jindouez. Donc oui, le cloud gaming va s'intensifier, c'est une certitude. Parce que un copain qui connaît un des gars qui bosse sur Ibitus, donc c'est ce fameux service de cloud qui a été mis en place sur Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey, Hitman 3 et Cloud, c'est fantastique, Control, les résultats sont extraordinairement positifs en termes de retour expérience de façon générale. Les gens sont bluffés, s'y attendaient pas, alors ça marche des fois, ça marche pas du tout, mais des fois ça marche très très bien. Et c'est qu'un test pour le moment. Donc ça, c'est vraiment un point où on est certain que le cloud sera aussi de la partie. Et Nintendo, moi je vous le dis, je ne le sais pas, mais je pense que Nintendo va monter au capital probablement d'Ibitus pour les intégrer dans leur giron, recherche, comme il l'avait fait avec la boîte japonaise de téléphone, qui, je ne sais plus comment elle s'appelait, Ena, je ne sais plus le nom. Je me désaltère, les enfants, parce que je m'assèche, j'allais dire, comme une pute à l'église. Et pour ceux qui connaissent la référence, vous pouvez la mettre dans les commentaires, désolé pour le gros mot, mais c'était une belle référence à Uncharted, bien évidemment, à Sully, qui est d'une vulgarité extraordinaire. Ça va vite dans le chat, ça va vite. Triskina nous dit, ce qui répond à Roman Odette qui dit ça serait pas un problème comme la Wii U puisque ce serait pas une console différente en soi. Exactement, on va pas changer d'OS, on va pas changer de pipeline de développement. Et donc du coup, il y aura une énorme facilité. Maintenant, les développeurs se sont pris d'amour pour cette Switch. Qui au début, ils avaient des doutes, ils ne savaient pas trop, mais aujourd'hui, ils sont convaincus, ça marche bien, et les retours sont très bons. On voit des studios émerger comme Panic Button, qui actuellement, et je vous le dis, je crois que c'est le boss qui a rendu public qui voudrait porter Valheim, le jeu de Viking qui est sorti sur PC, qui est en bêta. Apparemment, ce n'est pas qu'un désir. Hein. Apparemment, ils veulent vraiment, vraiment porter ce jeu sur Nintendo Switch. C'est un vrai défi pour eux, donc c'est probablement un portage qui devrait arriver en 2022. On m'a posé la question de l'arrivée des MMO. Moi, c'est quelque chose qui manque à la Nintendo Switch aujourd'hui. Je pense notamment à World of Warcraft, qui est un fantasme absolu. Je peux vous dire que ce serait le jeu que j'attendrais le plus si demain il était annoncé. World of Warcraft arriverait sur Nintendo Switch, je peux vous garantir que je ne suis pas sûr de continuer à streamer, et ma femme non plus. Je pense que je donne ma démission, je pense que je m'enferme définitivement, et je laisse mon enfant grandir tout seul, sans père et sans mère. J'exagère bien évidemment, mais c'est pour vous dire, World of Warcraft a une place toute particulière dans mon cœur. C'est un jeu qui m'a énormément marqué et qui est toujours enfermé sur PC. Alors, je comprends pour quelles raisons, les contraintes de serveur, le gigantisme du jeu aussi. Mais mine de rien, quand on voit Final Fantasy XIV qui suit son bonhomme de chemin, qui marche toujours aussi bien en ligne et qui est sorti sur les consoles actuelles, on se dit que c'est faisable d'avoir des serveurs qui tiennent, un truc qui fonctionne bien, un truc très très large, international, que ça marche. On sait que le créateur, je crois, de Final Fantasy XIV souhaitait porter son jeu sur Nintendo Switch. Je prends le pari, les amis, que ça sortira sur cette nouvelle Nintendo Switch Pro qui permettra d'être un petit peu moins à l'écart techniquement. Donc, il est fort probable que nous ayons ce genre d'expérience. Eternity encore nous dit pour la Horde, j'ai joué jusqu'à Arthas à haut, c'est excellent. Et ben moi je te dis for the Alliance. Bien évidemment, désolé les Hordeux, je suis l'Alliance. Après, ben voilà, j'ai commencé avec l'Alliance. J'imagine comme pour vous, vous avez commencé avec la Horde et on s'attache avec la faction pour laquelle on commence. Moi j'ai joué, je crois, jusqu'à Cataclysme. Peut-être. Cataclysme, il me semble. Non. J'ai fait Pandaria aussi, qui était assez sympa. Super jeu. Pascal ActuGaming qui nous dit salut communauté, de belles années de folie chez Nintendo à venir, c'est génial. On vient de commencer cette vidéo, ça fait une heure qu'on est ensemble. On est en train toujours d'évoquer un petit peu la console, son OS, ses propositions. Pour résumer, d'ailleurs, le sorcier nous dit, ben moi j'ai joué jusqu'à World of Warcraft 3, qui n'est pas du tout le même jeu. Je pense que World of Warcraft 3, d'ailleurs il y a un portage, il y a un remake qui est en cours, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que celui-ci va arriver sur console, ce Warcraft. Il y en a qui nous posent, après Next Level, il y a d'autres achats en perspective. On ne va pas parler des achats, des rachats de studios, bien évidemment, on va en parler. Et ben on va en parler maintenant. Quelle belle transition, on a parlé
un peu de la console, on a parlé de cette technique, de ce désir de pouvoir, de devoir porter des jeux, et dans ces jeux, je vous dis que Activision sera là, Rockstar sera là, Rockstar va sortir ses jeux sur Switch Pro. Nous verrons arriver dans un premier temps Red Dead Redemption, nous allons voir arriver GTA V, ces jeux vont arriver. Là, je vous dis juste, c'est mes convictions, je n'ai pas de réponse. Moi, mes convictions, ces jeux vont arriver parce qu'ils sont, parce que leur portage est faisable demain, parce que le parc de marché est très fort et parce que Rockstar n'est pas prêt de sortir son GTA 6. Ils vont sortir GTA 6 quand il y aura 50, 60 millions de PlayStation 5. N'oubliez pas que les coûts de développement ont vraiment explosé et qu'en ayant explosé, il faut limiter le risque au départ, et pour limiter le risque, c'est le parc de machines installées qui permet de limiter le risque. Ces jeux vont arriver. Il n'y aura plus aucun éditeur qui pourra se passer de la Switch. Je pense qu'elle deviendra définitivement la console la plus vendue. Elle va dépasser toutes les consoles actuelles. Je pense que cette console va poursuivre son chemin, comme ça, avec des nouvelles itérations. Ils auront toujours probablement une génération d'écart parce qu'on sait que portable et salon, pour le moment, on ne peut pas avoir ce qu'une PS5 a dans le ventre sur une console portable pour des raisons de coût, des raisons de taille, c'est pas faisable. Mais il y aura tout probablement une génération d'écart à chaque fois qui permettra à Nintendo de pouvoir recueillir les portages de la génération au-dessus. Avec un petit peu de décalage, Nintendo pourra alimenter avec ses propres productions qui ne nécessitent pas toujours une technique des plus poussées, des partenariats exclusifs. Et aujourd'hui, on voit bien la mécanique des indépendants, qui est un flux continu de communication, un flux continu de joueurs, de retours sur les sites internet. Il y a vraiment une énorme machine avec les jeux indépendants qui ont été sous-estimés pendant longtemps. Et c'est vrai que quand je vois un petit peu la presse prendre son jeu indépendant tous les trois mois, j'ai l'impression des fois qu'ils se dédouanent. Tiens, voilà, on parle d'un jeu indépendant, par exemple Hades. Mais à côté de ça, à côté d'Hades, il y a eu plein d'autres jeux indépendants qui n'ont pas eu leur lumière et qui sont tout aussi bons, tout aussi originaux. Je pense à The Red Lantern, je pense à The Long Dark, je pense à tous ces jeux, Alto par exemple, Beyond Blue, et à tous ces jeux qui sont vraiment, vraiment très forts, qui racontent des choses, qui nous font vivre des expériences que les AAA ne peuvent plus nous faire vivre pour le moment. Voilà, c'est la réalité. Donc, cette Nintendo Switch Pro va apporter ce genre de choses. Petit point à clarifier. Je pense que Nintendo continuera à sortir des devices exotiques comme Mario Kart Home Circuit, comme Nintendo Labo, et tester ce qui peut prendre. Pikmin Go aussi est une... Je me réjouis d'ailleurs de tester Pikmin Go. Moi, j'ai beaucoup aimé Pokémon Go. J'ai beaucoup de très, très bons souvenirs. Le jeu m'a emmené dehors. Des soirs, on est allé à la fraîche, dans la forêt, avec ma sœur, son beau-frère, ma femme, des amis. Quand je suis parti au Japon aussi, j'ai beaucoup joué dans toutes les villes que ça marchait. Il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant avec Pokémon Go. Et j'aimerais voir ce genre d'expérience un petit peu plus récurrente. Je ne crois pas que le jeu vidéo doit se contenter à la télé. C'est une des raisons pour laquelle je trouve que la PlayStation 5 et la Xbox, malgré toutes les qualités qu'elles ont, elles manquent un petit peu. Il y a quelque chose qui manque. C'est un peu dommage. J'aurais aimé voir ces constructeurs aussi explorer peut-être ce genre de choses. Malgré tout, Sony, on ne peut pas lui enlever, ils ont implanté la VR dans les consoles. J'ai trouvé ça fantastique, j'ai adoré Resident Evil 7. J'espère que Resident Evil 8 aura un mode VR annoncé un de ces quatre. Je suis désolé, je vous ai fait un petit ACRM de la gorge. Mais voilà, il y en a qui nous disent Berk la VR, Douest qui nous dit Berk, on sait où on n'aime pas. C'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face à la VR pour le moment, mais je pense que la technique corrigera ça avec les années. Je suis très curieux de voir le PlayStation VR 2 de Sony, on sait que c'est dans les tuyaux, parce qu'ils avaient fait un premier beau jet, hein. Franchement c'était chouette, hein. Motion sickness était quand même moindre, il y a quand même des belles choses, rendu ça accessible, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, est-ce que Nintendo pourrait aller dans la VR? Je vais faire une petite incartade là-dessus. J'ai soutenu de façon publique
Et je m'en suis pas caché, je l'ai dit à certaines personnes, industrie, Nintendo travaille sur de la VR très très tôt, et ça c'était bien avant qu'ils montrent le kit VR Nintendo Labo, qui est une sorte de micro-test, ils fournissent comme ça, on teste, on regarde. Nintendo explore la VR depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans. Les personnes qui m'avaient confié cette information soutiennent que la VR est quelque chose de très encourageant chez Nintendo pour la simple et bonne raison, c'est que les propriétés intellectuelles de Nintendo s'y prêtent énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Elles s'y prêtent énormément parce que techniquement, elles ne demandent pas de ressources. Et donc, du coup, demandant peu de ressources, les ressources pourraient être allouées justement à la fluidité, parce que si vous savez comment fonctionne globalement la VR, on a besoin d'envoyer tant d'images dans chaque œil, donc c'est-à-dire que sur un jeu traditionnel, on va être en 25, 30, jusqu'à 60, mais en VR, on est obligé de doubler pour avoir quelque chose de cohérent, et puis globalement, en dessous de 75 images par œil, on n'est pas dans un confort optimum. Donc, Nintendo, d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui est quelque chose qui est très envisagé. Et après, quand vous pensez au jeu, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est ma conviction intime. F-Zero sur Nintendo Switch Pro ou sur une autre Nintendo Switch arrivera. Arrivera. Il arrivera par Nintendo, mais par un autre éditeur aussi. Il va y avoir une collab. Très forte, et je crois que les tests, je crois, je n'ai pas dit que je sais, je dis je crois. Là, on est plutôt dans une sorte de Nostradamus, comme dirait Julien Chiez. Je pense que justement, c'est l'AVR qui peut être l'élément déclencheur pour sortir un F-Zero. Parce que on a bien vu les déclarations assez récentes du créateur des Zero, pour l'instant, il considère au sein de Nintendo F-Zero GX comme un F-Zero ultime, et ils ne savent pas trop comment rajouter, de ce que je perçois, l'AVR serait l'élément qui permettrait de mettre un énorme coup de frais F-Zero. Encore une fois, ne voyez pas de l'exclusivité, c'est-à-dire que le jeu tournera aussi sans VR, mais il sera compatible VR. Et je pense que Star Fox est aussi un jeu qui pourrait amener ce genre de choses. Pensons à Metroid Prime 4. Il est indéniable que l'immersion chez Nintendo, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Et l'immersion physique, parce qu'ils ont amené le motion control déjà, et ils sont quand même à l'origine de tests 3D casque sur Famicom, puis sur Virtual Boy, puis le Nintendo Labo, puis l'expérience que moi j'ai pu jouer à Mario Kart à Shibuya avec un vrai casque VR, où on est dans ce truc assez extraordinaire, où tout récemment, le parc Nintendo, avec cette expérience qui est une énorme expérience en AR, en réalité augmentée dans Mario Kart, Nintendo fait énormément de recherche et développement dans ce sens-là. Et ça va forcément se répercuter dans le corps central de leur activité, qui est la console portable et de salon. C'est une évidence. Et ça, on peut s'attendre, moi je vous le dis, on peut s'attendre à ce que Nintendo dégaine ce genre de choses. Et le seul dernier rempart qui peut faire traîner encore un petit peu tout ça, c'est que Nintendo doit trouver une solution pour rendre la VR familiale, pour trouver une solution pour que la VR soit acceptable dans la famille, qu'on passe pas pour un autiste entre guillemets. J'ai tout le respect profond pour les autistes. Vous savez que j'ai écrit un livre où mon personnage principal est un autiste, donc je n'ai pas du tout de critique, mais c'est une expression un peu commune, mais qu'on passe pas pour quelqu'un de renfermé avec son casque tout seul au milieu du salon. Nintendo ne veut pas de ça. Donc, il est fort probable que Nintendo réfléchisse à justement intégrer la VR de façon cool, sympa, au cœur de la famille, et qu'on puisse s'émerger dans leur monde. Et ça, c'est une évidence. Et là, je vais vous dire quelque chose de très privé. J'ai mon chien qui vient de lâcher une bombe atomique. Je pleure, j'ai la goutte qui est là. Je me dis, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est chaud. À mon avis, il est malade. À mon avis, il est pas bien du tout. Ouais, ça vous fait rire. Hein? Ça vous fait rire. Oui, pour l'instant, c'est un plaisir solo, mais il est fort probable, ça vous fait rire, que cette VR puisse devenir quelque chose de plus familial. De trouver une solution pour que le casque, on puisse se passer le casque, ou que celui, merci pour les pets du Dark, que celui qui a le casque sur les yeux voie
certaines choses, mais que la télé, elle, toujours accessible. D'ailleurs, quand vous jouez au PSVR, la télé est accessible. Moi, quand je jouais à Resident Evil 7, j'étais dans le casque, mais ma reine à côté regardait la télé. Donc, qu'il y ait des propositions de jeu asymétriques, je vous le dis, ça, à 100%, Nintendo réfléchit là-dessus. Qu'il y ait des vraies propositions asymétriques d'expérience là-dedans. Ça risque d'être assez intéressant et l'avenir nous réserve de très belles surprises. C'est pour ça que je dis toujours que je suis toujours excité par Nintendo parce que même si des fois les tests sont pas concluants, c'est là où je ne rejoins pas Cyril Drevet quand je discute avec lui, qui est trop élitiste à mon sens, mais c'est pour ça que je pense que c'est bien de faire des expériences comme ça, la 3D sans les lunettes, le tactile, le motion control, le côté hybride, le gamepad. Le Virtual Boy, je crois qu'il y a quelque chose d'important dans cette industrie. Je ne peux que être d'accord avec Feu Satoru Iwata qui disait, c'est notre rôle de prendre des risques. Et comme disait le président actuel, il y a une certaine sensibilité chez Nintendo de vivre ou mourir chaque année. Rien n'est acquis. Malgré le trésor de guerre économique qu'ils ont, il y a vraiment cette volonté. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut que saluer. Et je crois qu'il faut continuer à soutenir la prise de risque, aussi bien sur les jeux que sur les consoles. Et là, ça pue vraiment. Ça sent très, très mauvais. Mon chien est terriblement malade. Toi aussi, Marina est en décomposition à côté. Tu joues à quoi d'ailleurs? Elle joue à Monster Hunter. Elle prend de l'avance sur moi. J'ai pas pu toucher à Monster Hunter depuis je ne sais pas combien de temps parce que je passe ma vie avec vous. On fait cette transition sur les studios. Les studios, pour bien comprendre, effectivement, on voit Sony et Microsoft racheter à tour de rôle des studios. Bon. Il faut savoir une chose, c'est que Microsoft est une entreprise américaine et aujourd'hui Sony est une entreprise américaine. Ils sont d'origine japonaise, mais aujourd'hui la volonté des départements, on a bien vu l'emprise américaine sur ça. Donc, dans une entreprise américaine, faire du rachat est quelque chose de normal. C'est comme ça qu'on fait du business en Occident. On rachète des petites entreprises, soit pour disposer de leur technologie, soit pour disposer de leur propriété intellectuelle. Bon, je ne dis pas que Nintendo n'a jamais été là-dedans. C'est pas vrai. On le voit bien avec Rareware à l'époque. On le voit bien avec Retro Game Studio. On le voit bien avec Next Level Game. Mais c'est tout de même dans une moindre mesure, à comparer du mastodonte Microsoft qui vient de racheter une pété de studio et qui risque d'en annoncer d'autres. Sony, qui est lui aussi dans une dynamique de vouloir agrandir par des studios. Nintendo est plutôt dans une situation un petit peu différente. Ils sont plutôt dans une situation de vouloir consolider ce qu'ils ont de façon existante. On voit bien que Next Level Game, ça fait plus de 15 ans qu'ils travaillent ensemble. Il y a eu les Luigi Mansion, il y a eu Punch-Out. Next Level Game a interagi aussi sur Mario Kart, sur Animal Crossing, sur plusieurs propriétés intellectuelles. Donc il y a eu une longue, très longue gestation pour voir si les sociétés s'entendent bien. Idem avec Retro Studio, idem avec Monolith Software, idem avec HAL, idem avec d'autres studios, Grezzo et compagnie. Nintendo est plutôt dans un partenariat, je dirais, un petit peu plus souple. S'il y a bien un studio que Nintendo apprécie beaucoup, 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 un studio avec qui s'entendent très très bien, c'est bien Platinum Games. Donc c'est vrai qu'il y a des rumeurs depuis longtemps sur Platinum Games. Platinum Games et surtout les têtes créatives de Platinum Games s'entendent très très bien avec Nintendo. On l'a vu avec Bayonetta, le rachat de Bayonetta. On le voit avec. Il y a eu le test de Wonderful 101. Il y a eu bien évidemment Astral Chain. Et donc, du coup, ces partenariats, c'est quelque chose de plus envisageable. Maintenant, est-ce que Nintendo pourrait racheter Platinum Games? J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de toujours faisable. Platinum Games, aujourd'hui, on voit bien qu'ils font une tentative de devenir un éditeur indépendant. On a bien vu, ils sont passés par du Kickstarter pour Wonderful, pour récupérer leurs droits. Mais on voit qu'ils ne sont toujours pas non plus dans une position ultra sereine. C'est quand même toujours très, très, très compliqué chez eux. Ils sont nombreux. Comme dit Tracy Nsama, Platinum Games aime tellement leur indépendance, je les vois mal accepter leur rachat. C'est pour ça qu'il y a rachat et rachat. Il y a rachat global et il y a montée au capital. Montée au capital d'un certain pourcentage, qui n'est pas forcément un rachat, mais qui est une priorité.
Si Nintendo rentre au capital de Platinum Games, à hauteur de 5, 10, 15, 20%, j'en sais rien, il y aurait une, bien évidemment une priorité au jeu, ce qui pourrait être intéressant. Moi, je pense que ce genre de choses pourrait être envisageable, notamment avec Platinum Games. C'est quelque chose qui, est sur le, qui se murmure et c'est probablement une volonté. D'ailleurs, on parlera un petit peu après de Bayonetta 3 et de Astral Chain 2, parce que c'est bien évidemment des choses qui sont en gestation depuis un moment. On va sur les rachats, il n'y a pas énormément de choses à dire, dans le sens où Nintendo déjà développe beaucoup de jeux avec Retro Studio. On sait qu'il y a trois projets en gestation chez Retro Studio. Un seul a été annoncé, c'est Metroid Prime 4. Les deux autres jeux sont en gestation depuis bien plus longtemps que n'a été Metroid Prime 4. Et d'ailleurs, c'est le fait d'avoir récupéré Metroid Prime 4 qui, à la base, ne devait pas être par Retro Studio, parce que Retro Studio avait demandé de faire autre chose. Nintendo leur a demandé, on a besoin d'un coup de main parce que ça ne se passe pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Et vous avez l'expertise ayant fait les trois studios précédents. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant, de voir comment Retro Studio va annoncer Metroid Prime 4, va montrer du trailer, là, incessamment sous peu, va donner une date release pour le jeu. Je pense qu'il va y avoir... voilà, Retro Studio va revenir sur le devant de la scène. Il aura fallu 10 ans de gestation entre des tests de nouvelles propriétés intellectuelles, des tests sur des anciennes. Et puis à côté de ça, on a Next Level Game qui aujourd'hui sort un succès commercial, critique. Luigi Mansion 3, ça a très bien marché, ça a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce Luigi Mansion. Et ça a été très crescendo. Le 1 était vraiment sympa, le 2 était plus cool. Et le 3, c'est vraiment... ils ont vraiment poussé les curseurs aux bons endroits. Le jeu est riche, le jeu n'est pas trop court, il y a pas mal de choses. Il y a un peu de rejouabilité. Il lui manque toujours tout de même un petit brin de folie, un petit peu de répétitivité dans le design, sur la fin des niveaux. Mais cela étant dit, c'est quelque chose de plutôt bon. Next Level Games a pour son actif des franchises comme Punch-Out, qui avait fait un retour sur Nintendo Wii à l'époque. Est-ce que ces jeux peuvent revenir ? C'est une évidence, ces jeux doivent revenir dans tous les cas. Il faut que Nintendo ne cannibalise pas ses grosses licences, mais pour cela, il faut qu'il fasse connaître des licences moins connues, notamment Punch-Out, Luigi Mansion, WarioWare, même Donkey Kong, qui est connu et qui marche relativement bien, mais qui n'est pas au niveau de son grand frère Mario Bros. Donc, Next Level Game, on verra. Je pense que là, c'est peut-être un petit peu tôt pour expliquer quelque chose d'eux. On sait juste que maintenant, ils appartiennent complètement à Nintendo et qu'ils leur sont totalement dévoués, corps et âme, pour produire du contenu. RPOZ nous dit un mix entre ARM et Punch-Out. C'est vrai que c'est très sympa, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien voir un mode story plus développé à Punch-Out. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller chercher du côté de ARMS en termes de gameplay. Laissons à ARMS ce qui est à ARMS. Je pense qu'ils ont fait un beau lancement avec cette nouvelle IP qui s'est relativement bien vendue, même très bien vendue pour une nouvelle IP, pour le type de jeu que c'est. Donc, voyons voir. On verra bien. On verra bien comment ça se passe pour Next Level Games. Bien évidemment, il y a un autre studio que je ne peux pas mentionner, c'est Monolith Software. Monolith, qui est un studio extraordinaire qu'on découvre comme ça, de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Leur dernier jeu, c'était Torna, Xenoblade Chronicles Torna, suivant le Xenoblade Chronicles 2, puis le portage du premier Xenoblade Chronicles. On sait aujourd'hui que Monolith est vraiment devenu un gros studio. Ils sont plus de 270 apparemment. C'est un studio qui est fidèle à Nintendo, qui leur appartient, mais qui est fidèle dans la qualité des jeux qu'ils offrent, sur un segment qui est quand même assez niche, le RPG, mais qui tout de même commence à progresser en termes de vente. Xenoblade commence à avoir sa petite réputation. L'arrivée de Xenoblade dans Smash va aussi permettre l'élargissement de la franchise. Donc je pense qu'on peut espérer cette année qu'on dévoile un nouveau projet de Monolith qui arrivera, à mon avis, dans les 6 mois de fenêtre après la Nintendo Switch Pro. Vous allez voir, on va en parler un petit peu après des jeux, parce que je pense qu'il y a vraiment une très belle cadence, il y a de très belles choses à faire.
Il y a un dernier studio qu'on ne peut pas, ne pas oublier, que moi je parle un peu moins, c'est Game Freak, c'est forcément Pokémon, parce que je suis moins adepte de Pokémon, mais le studio Pokémon a un challenge de taille, on va terminer là-dessus pour les studios, ils ont un challenge de taille, c'est qu'ils doivent réussir le tour de force de faire un Pokémon monde ouvert, techniquement qui tienne la route, et pour l'instant de ce qu'on a vu, franchement, c'est pas ouf, hein. Franchement, ça fait pas rêver, le trailer était absolument dégueulasse. J'ai l'impression qu'ils nous ont montré une alpha, on nous a montré un truc trop early stage ou pas. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir montré si tôt, mais après je comprends, ils étaient bloqués pour les 25 ans de Pokémon. Ça me fait dire que peut-être que le jeu tournera effectivement tournera peut-être mieux sur Pro. Pourquoi pas? Il y a un jeu que je vois dans les commentaires qui revient souvent. C'est Batten Kaitos. Batten Kaitos qui est une très très belle franchise de RPG qui est sorti sur Nintendo GameCube. Un premier numéro qui était sorti partout et un deuxième numéro qui n'est pas sorti en Europe, qui est sorti qu'au Japon et aux États-Unis. Batten Kaitos, je ne sais pas si ça appartient à Nintendo de mémoire. On pourrait aller voir sur Internet, dites-moi si ça appartient à Nintendo. Je crois qu'il y avait Namco Bandai qui était dedans. Mais en tout cas, oui, il y a un potentiel assez exceptionnel au jeu. Batten Kaitos pourrait faire un retour formidable. Disaster Day of Crisis, nous dit Douaez, bien évidemment, des jeux très intéressants. Batten Kaitos Origin, le deuxième, encore mieux que le premier, à ce qu'il paraît. Ce que je n'ai pas fait, j'ai fait que le premier. Qui m'avait beaucoup marqué, qui est un fantastique RPG. Voilà, l'RMK nous dit non, ça appartient à Namco. Alors, ce qui est étrange, c'est que ça n'a jamais été porté ailleurs, si je ne me trompe pas, Batten Kaitos. Alors, si ça n'a jamais été porté ailleurs, ce qui est quand même étrange dans l'industrie du jeu vidéo, parce que si ça appartient complètement à un éditeur, bon, il y a des remakes, des portages, des trucs, ça n'a jamais été fait. Est-ce que Nintendo a des billes dans la propriété intellectuelle de Batten Kaitos? Peut-être. Pop-up nous dit la Game Sport de Nintendo. Je vais en parler, je vous ai réservé un petit truc sur la Game Sport parce que ça me tient à cœur et j'aimerais vraiment vous en parler. Full Tap nous dit One Up Studios. Bien évidemment, c'est un hit par an en ce moment. One Up, très 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 bon studio qui, je pense, va prendre son envol. My Nintendo nous dit contrat d'exclus probablement pour Batten Kaitos. Mais contrat d'exclus, vous savez qu'un contrat d'exclusivité, c'est pas ad vitam aeternam, c'est dans le temps. Merci pour le PM. Putain, ça m'a fait sursauter. Modon nous dit Nintendo a financé. Alors peut-être que Nintendo a financé Batten Kaitos, ce qui indiquerait que le jeu n'est jamais sorti ailleurs et que des assets appartiennent aussi à Nintendo croisés avec Namco. Alors la bonne nouvelle, vous allez me dire, c'est qu'il y a bien un studio qui s'entend extraordinairement bien avec Nintendo. C'est bien Namco Bandai. Et d'ailleurs, ils vont annoncer très bientôt des portages de jeux sur Nintendo Switch, notamment le Dragon Ball Z Kakarot et Ni no Kuni 2 qui a été teasé aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas une surprise. Je me souviens avoir eu cette conversation avec Yannick chez les Sharp Players il y a peut-être 2 ans, où je vous disais qu'il y avait 8, entre 6 et 12 mois de delta sur ce genre de choses. Donc voilà, faut s'y habituer. C'est comme Tony Hawk qui arrive là probablement en juin-juillet. Ouais, le théorème d'Augusto, c'est le fameux théorème d'Augusto, comme dit Yannick et Roman. Donc voilà, ça risque d'être assez intéressant. Le sorcier nous dit Skies of Arcadia Legend, un remake sur Nintendo Switch, j'en rêve. Le jeu était dément, jeu assez exceptionnel. Très très beau collector sur Dreamcast en japonais. Pour le coup, rien n'empêche sa venue sur Switch puisque ça appartient à Sega. Oui, c'est vrai que Sega, c'est un peu étrange. Je trouve que Sega est un peu en retenue sur Switch. On aurait bien voulu voir les Shenmue quand même. Ils sont portables, hein. Franchement, ils sont portables. Les trois, hein, même le troisième est totalement portable. Est-ce qu'ils arriveront plus tard? Peut-être, on aurait voulu voir Crazy Taxi, on a vu House of the Dead Remake qui a été montré dans le dernier indie. Je trouve étrange ces gars, je trouve étrange ces gars, des fois leur attitude. Full Tap 42 qui dit, très très bonne transition, Full Tap 42 parce qu'on va commencer à parler du jeu, ce qui se passe avec Capcom. Capcom a fait un pari assez fou et je me suis tué à le dire, qu'il y a un moment déjà, que Capcom, bienvenue, bienvenue Dixie Mike. Capcom veut porter son catalogue sur Nintendo Switch. C'est un désir qu'ils ont depuis le tout début avec Nintendo, mais la condition, c'était de pouvoir porter le fameux RE Engine.     װ││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 
Parce qu'on sait Capcom à l'aise sur son moteur aujourd'hui qui fait des prouesses techniques. Et il aura fallu 2 ans et demi, à peu près 2 ans, pour adapter ce moteur à l'architecture de la Nintendo Switch. Je me souviens l'avoir dit à Julien Chies, je l'ai dit chez les chers players un nombre inconsidérable de fois, vous verrez, ça arrive, c'est en cours, ils sont en train de dev. Ils ont annoncé 2 Monster Hunter, un Resident Evil Révélation sortira en tout début d'année prochaine, et les portages de Resident Evil 7, bienvenue Yoshi76, les portages de Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 2 Remake et 3 Remake arriveront sur Nintendo Switch et pas en cloud. Ou du moins pas que en cloud, ils arriveront en format dur, comme un jeu traditionnel. C'était leur volonté depuis le départ. Et je vous dis, la personne qui m'a donné ça, c'est quelqu'un qui travaille dans un service très 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 proche de Capcom. Et quand je l'ai dit il y a 3 ans à certaines personnes, certains m'ont dit, ah bon, d'accord, on verra bien, ça a l'air excitant, pourquoi pas, on ne sait pas. Capcom est dans une confiance absolue avec Nintendo. Et si vous le voyez bien, ils ont sorti quelques jeux le temps que le moteur soit correctement développé. On a eu Dragon's Dogma, par exemple, qui d'ailleurs a une suite qui est en cours. On a eu les Street Fighter, d'ailleurs on attend vraiment un Street Fighter 4. On a eu là les Monster Hunter. Ils ont porté quasiment tout leur Resident Evil qui se portait hors RE Engine. Capcom ne peut pas, comme tous les autres éditeurs aujourd'hui, ne peuvent plus se passer de la Nintendo Switch d'un point de vue commercial. Comme je vous le disais, l'angle, c'est surtout parce que les 2 autres concurrents n'ont pas encore installé leur parc de marché et il va leur falloir du temps, surtout suite à ce qui est en train de se passer avec les problèmes des composants. Aedona Stenar nous dit, Nier Automata sortira sur Nintendo Switch. Je l'ai dit il y a au moins un an. Oui, ça sortira sur Nintendo Switch. Bien évidemment que ça sortira sur Nintendo Switch. Frukiki et les jeux de combat des Street Fighter. Alors, les Street Fighter, on a tous les Street Fighter, mais on n'a pas le 4 par exemple. Le 4 n'est pas sorti avec ses versions Ultra, Super, Championship, Power, Prime et compagnie. Il n'est pas sorti le 4, c'est bien dommage. Pour moi, c'est avec le Third Strike mon préféré. Je trouve pas le 5. Bienvenue à vous, monsieur Pradogrière. Je trouve pas forcément le 5 fantastique. Je lui ai peut-être pas donné assez de temps de jeu parce qu'au début le jeu avait pas grand-chose. Bon, il n'avait pas grand-chose. Mais j'espère peut-être qu'un jour on ait un Street Fighter 6 qui ne soit plus monoconsole. Je pense que c'était une erreur dramatique de sortir ça que sur une console pour un Street Fighter. Street Fighter, c'est surtout faut que ça sorte sur toutes les consoles. Je trouve ça dommage. Même si demain Nintendo signe une exclusivité, je pense pas que ce serait positif. Je ne serais pas le premier content en fait. Je pense que Street Fighter est quelque chose de très communautaire, à l'international. Tout le monde doit jouer à son Street Fighter. Voilà ma sensibilité. C'est pour ça que vous voyez, certains disent que je suis un super fanboy, mais là je vous prouve que je peux être raisonnable aussi et raisonné. Moatra nous dit Théorème d'Augusto, ce sera pour 2022. Oui, Nier Automata, ce sera pour 2022. C'est clair. Otsaken66, alors ça, je vais essayer de répondre à la question, je ne sais pas, mais moi j'adorerais. Par contre, un Yakuza sur Switch possible. Franchement, je vais vous dire un truc. Ce qui me rend complètement fou, c'est qu'ils ont essayé de les porter. Et il n'y a toujours rien d'annoncé. Je ne comprends pas. C'est comme je vous dis, Sega, je ne comprends pas Sega. Sega a besoin de Nintendo et en plus fait ses meilleurs chiffres avec Nintendo. On pense notamment aux ventes des Jeux Olympiques, de Sonic et compagnie. Et ils ne font quasiment rien. Je ne sais pas. Ils ont un catalogue de licences incroyable qui marcherait très très bien sur Nintendo Switch et ils ne font rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas. Full Tap nous dit, penses-tu que Kojima pourrait venir relever le défi avec Nintendo, même si c'est très probable? Je ne pense pas. Je pense que Hideo Kojima fait partie d'une sphère qui est pas très Nintendo. Je pense qu'il a beaucoup de respect, hein, pour Nintendo parce qu'il est très ami avec Sakurai. Ce sont des hommes qui ont une relation très amicale, très professionnelle, ils s'entendent très bien. Mais Kojima, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pas Nintendo qui va le lui donner sur le genre de projet qu'il veut.
Même s'il y a eu dans le passé des choses très intéressantes, je pense à l'excellentissime Metal Gear Ghost of Babel, on pense à Twin Snake, Metal Gear Twin Snake, qui est décrié par les ultra hardcore de Metal Gear, mais moi j'avais trouvé bien, parce que j'avais trouvé très intéressant la patte de Silicon Knight, de Dennis Diack, les gars d'Eternal Darkness et de Legacy of Kain, qui avait essayé de rajouter un petit truc, qui avait un côté un petit peu over-action aussi dans le truc, mais. Et Boktai aussi sur Game Boy Advance, le jeu avec le capteur solaire. Donc Kojima a eu des trucs avec Nintendo, ils ont fait des trucs ensemble, ils ont testé, mais aujourd'hui Kojima, il est dans une attitude de jeu très cinématographique, c'est sa réputation qui est en jeu, c'est, je pense qu'il est pris à son propre piège. Je pense qu'il aimerait peut-être retourner à des choses plus créatives, peut-être plus simples, mais il est pris à son propre piège parce que c'est son marqueur de lance. On verra bien. Une chose est sûre, c'est que c'est l'industrie qui va donner le tempo. C'est si Microsoft ne trouve pas un refuge chez Microsoft, il devra revoir ses désirs chez Kojima Productions, j'imagine. Donc on verra bien. Judark70 nous dit, mais comment comprendre Sega qui ne fait rien de son trésor de guerre? Mais je suis d'accord, il faut que ce soit des Français qui adaptent leurs jeux du passé. Hors Persona, Yakuza. Mais je suis d'accord. Sega, pour moi, c'est l'anomalie. Je ne comprends pas. Ils ont. Des IP extraordinaires et ils font des catastrophes. Ils ont brisé beaucoup leur créateur. Regardez le pauvre feu Yuji Naka. Quand je dis feu, il est toujours en vie, mais son jeu Balance World, qui est une purge absolue, qui est le jeu probablement le plus mauvais de ces 4 dernières années. Je trouve ça assez triste. Crixus Lion nous dit Sega et Konami, même combat. Effectivement, Konami aussi est dans une situation qui est incompréhensible. Ils ont des Gradius, ils ont des Probotector, ils ont des Contra, ils ont Metal Gear, ils ont Silent Hill, ils ont Castlevania, et ils ne font rien. Je ne comprends pas non plus. Même si je crois que Konami s'en sortira avant Sega, parce que je crois que Konami a envie de revenir. Je pense qu'il y a une vraie envie. D'ailleurs, ce très très joli jeu fantastique indé qui a été annoncé, qui est pas un jeu indé, mais qui est une vieille licence de Konami, qui a été annoncé pendant l'Indie World Direct, qui sortira l'année prochaine, qui est probablement le jeu qui me hype le plus. Cette mythologie yokai et japonaise qui a l'air juste incroyable, je me souviens plus du nom, mais ça a l'air juste fantastique. Je rêverais de voir, moi, un Castlevania de cet acabit. Je ne demande pas un retour comme Lord of Shadow. Même si j'ai adoré Lord of Shadow, je pense qu'on peut faire autre chose. C'est un petit peu le problème de ces deux studios japonais, c'est vrai, qui manquent un petit peu. Leur fraîcheur, leur propriété intellectuelle nous manque, c'est vrai. J'aimerais bien revoir certains de leurs propriétés intellectuelles, c'est vrai. On verra. On va continuer tout doucement, les amis, et on va parler de Platinum et de Bayonetta 3. Bayonetta 3 est un jeu qui est excessivement attendu par une communauté de joueurs gourmands de défis, de joueurs qui ont besoin de challenge et qui ont besoin aussi de s'amuser de folie, et Bayonetta est un digne représentant. Bonsoir Carrie Chan qui vient d'arriver. Un digne représentant du Beat'em All. Pour moi, il est définitivement le meilleur Beat'em All. Tout Beat'em All confondu. Vraiment tout Beat'em All confondu. Je trouve que Bayonetta 2 est un cran au-dessus en termes de Beat'em All, en termes de gameplay. L'univers, on aime ou on n'aime pas, c'est très subjectif encore une fois. Moi, l'univers, je l'ai trouvé très très cool, très original. Le jeu a été annoncé en 2017. Je pense que c'était le début du dev. Je pense que c'est un jeu qui mérite au moins 3 ans, 3 ans et demi de développement. Je pense que le jeu arrive dans sa phase finale. Et c'est le bon timing parce que ce jeu sortira probablement l'année prochaine et va probablement jouir de la nouvelle console de Nintendo aussi. Ça sortira sur celle qui est actuelle, ne vous inquiétez pas, mais il y aura forcément un boost. C'est ce genre de jeu, Bayonetta 3, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, qui vont booster le désir de jouer à cette Nintendo Switch Pro. Ces jeux tourneront sur l'actuelle, mais ils auront une plus grande souplesse, une technique beaucoup plus agréable sur cette nouvelle machine. Donc, c'est le bon timing.
Je vous ai parlé d'Astral Chain 2. Il y aura deux autres Astral Chain. Ce sera une trilogie. Rien de nouveau à l'horizon. Je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire avec Astral Chain. Le character design est fantastique. L'univers a un potentiel génialissime. Moi, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil. Il y a du Platinum à mort. Mais il y a un petit truc Deus Ex. Il y a un petit truc. Il pioche à gauche, à droite. Je trouve que le character design est fantastique. Moi, j'ai joué la nana tout le long, mais j'ai trouvé juste génial le design, les couleurs, les personnages, l'ambiance. On est vraiment dans un jeu japonais. Le système fight est topissime, sans atteindre le niveau d'un Bayonetta 2. Mais n'oublions pas qu'il y a eu Bayonetta 1 avant pour faire Bayonetta 2. Et je suis convaincu qu'Astral Chain 2 va être un énorme beat'em all. Va être une énorme pièce quand le jeu va sortir. Beaucoup plus gros, beaucoup plus challengeant. Je pense qu'on va en prendre plein la gueule. Trixie Insama nous dit que Bayonetta 3 serait vraiment différent des deux premiers en profondeur. Alors c'est assez dur pour Platinum, mais ils veulent nous impressionner, alors ils font de leur mieux. Ils savent que Bayonetta 3, c'est le jeu qui peut faire lancer le studio dans de nouveaux horizons à un niveau supérieur. Il est indéniable que Bayonetta 3, c'est le plus gros budget aujourd'hui chez Platinum. Le jeu a fédéré des gars de différentes équipes chez Platinum pour soutenir le développement. Des gars de chez Nintendo viennent aussi soutenir le développement de Bayonetta 3. C'est clair et net que Bayonetta 3 va être un vrai monument. Et Astral Chain 2 va jouir, en fait, parce qu'il sortira après Bayonetta 3. Bayonetta 3 sortira l'année prochaine, mais Astral Chain sortira après. Astral Chain 2 va, lui, se nourrir de l'expertise technique de la console, de l'expertise technique des artistes, et va nous permettre d'avoir un jeu extraordinaire. Les ventes du portage 1-2, je ne les connais pas. Je ne pense pas que c'est fait d'une folie. On voit bien que le jeu est sorti comme ça pour créer un petit effet autour de Bayonetta 3. Mais il ne faut pas... c'est pas ce genre de jeu qui ont envie de... comment dirais-je, qui sont des sellers. En fait, c'est un petit peu... c'est plutôt des jeux vitrines. Des jeux vitrines qui parlent aux gamers, qui permettent à la presse gamer de parler de ces jeux-là. Mais voilà, Nintendo nous dit, Astral Chain 2, c'est 1,2 million environ. On peut en espérer combien pour le 2. Je ne sais pas combien on peut en espérer, mais plus, bien évidemment. Mais 1 million 2 pour une nouvelle IP, pour un jeu très japonais, de niche, sorti au mois d'août. Franchement, c'est plutôt pas mal. Parce que la difficulté de faire des nouvelles IP, mes enfants, c'est quelque chose de très compliqué. Judas Randy, nous, c'est de la street cred, Bayo. Ça fait partie de la street cred. C'est comme Demon's Souls chez Sony, comme Bloodborne d'ailleurs. Ce sont des jeux de street cred. Ce sont des jeux qui donnent un peu de légitimité aussi aux constructeurs de dire je sais faire plaisir aussi à mes niches. À mes niches de joueurs, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est pas le grand nombre qui joue à Bayo. Et ces jeux n'auront jamais des 10, 15, 20 millions de ventes. Faut être tout à fait logique. Mais si ces jeux arrivent un jour peut-être à faire 4, 5, 6 millions, on pourra dire que le pari est réussi. Et je pense que Bayonetta 3 va mettre la barre très 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 haute. Hein. Je pense que sans peut-être espérer 5 millions ou 6 millions, faut pas oublier que c'est que sur une seule machine. Donc le challenge est d'autant plus difficile, mais je pense qu'on peut avoir un vrai succès à 3 millions, 4 millions de ventes. Jude West nous dit Bayo 3 à l'E3. Alors l'E3, c'est une question intéressante. Moi, je pense que ce qui définit ou pas, moi, je vous dis non. Et je vais vous dire pourquoi ma façon de voir. Je pense que Nintendo va communiquer en deux temps. Nintendo va communiquer à l'E3 pour les jeux de maintenant à la fin d'année, ce qui est une évidence. Et Nintendo communiquera aux alentours de peut-être novembre ou tout début d'année prochaine, peut-être janvier, peut-être plus janvier, sur la nouvelle Nintendo Switch Pro. Et pendant la Nintendo Switch Pro, ils vont montrer, à mon sens, en détail, Metroid Prime 4. Ils vont montrer Bayonetta 3. Ils vont montrer Mario, la suite de Mario Odyssey, parce que je vous le dis ce soir, et là... personne ne pourra me dire c'est je l'ai lu ailleurs, à droite, à gauche. Non, je vous le dis ce soir, c'est une exclusivité monde ce soir, les amis. Il y a un nouveau Mario qui sortira l'année prochaine et qui sera dans la veine de ce que nous avons connu avec Bowser Fury.
ce Mario va être une sorte de suite, entre guillemets, légitime à Mario Odyssey. Donc c'est toujours dans cet esprit d'ouvrir la franchise Mario au voyage international. C'est pour ça qu'on a des décors dans Mario Odyssey. Et quand on a eu cette conversation, il y a au moins 3 ans sur une rétrospective avec les chers players, avec Yannick et Roman, et j'avais dit que le prochain Mario s'inspirerait de quelque chose comme Mario Land. Mario Land s'était inspiré d'endroits réels, l'île de Pâques notamment, les pyramides. Et Mario Odyssey, c'était ça. Voilà. Après, vous pouvez aller voir, revoir ces vidéos, machin. On pourra me dire, Nico, vous pouvez aller voir. Là, je vous dis ce soir qu'il y aura une suite à Mario Odyssey. Je ne sais pas si ça s'appellera Mario Odyssey, attention. Hein. Il y aura une suite à ce Mario Odyssey. Dans ce que je sais, c'est que la volonté d'accentuer l'idée du voyage sera présente et d'accentuer les zones connectées. Et en plus, le jeu s'appuiera sur le film. Donc, je veux vous dire que ça va être très, très, très fort. Il y a LTT qui nous dit, oui, tu l'avais dit, je sais, je m'en souviens, je sais ce que je dis, je ne suis pas encore sénile. Quand je sais quelque chose, parce qu'on me l'a dit, c'est facile, je vous le dis, bon ben voilà. Après, si ça peut arriver avec du décalage, parce que moi, je ne suis pas non plus assujetti au planning en interne. Mais quand je vous dis que c'est un feeling ou qu'une sensation, je vous le dis. Là, c'est autre chose. Mais là, ce n'est pas un feeling, une sensation. Il y aura de très grosses cartouches. Et je vous le dis, je l'ai dit encore mardi chez les chers players, le début de la Nintendo Switch en termes de jeu arrive l'année prochaine. C'est la pro, indirectement. Ce n'était pas la volonté de Nintendo. Hein. La volonté de Nintendo, c'était de laisser 4 ans à cette première Switch et de voir comment elle allait marcher. Et ça, ils l'ont décidé au début. Puis après, en voyant les sales, ils se sont dit « Ok, on a beaucoup, les ventes cartonnent, on peut vendre des remakes, ça marche très bien. Ça va nous laisser le temps de peaufiner nos gros jeux, nos vrais jeux. Et on va ressortir le catalogue de la Wii U qui méritait de ressortir, faut être honnête. Comme les jeux GameCube, comme les jeux Wii, méritent de ressortir parce que l'écosystème de la Switch sera l'écosystème définitif de Nintendo. Il n'y aura pas un autre eShop, il n'y aura pas un autre écosystème. Ce sera un écosystème permanent. Donc c'est pour ça que tout ressort. Et ils se sont servis de ces 4 années, là qu'on vient de vivre ensemble, de 2017 à aujourd'hui, pour sortir beaucoup de jeux Wii U, ressortir quelques remakes. On va voir Skyward Sword bientôt. Il y aura Twilight Princess, il y aura Majora's Mask, il y aura Ocarina of Time, il y aura Twilight Princess, comme je le disais. Et il y a eu les 3 Mario All-Star, Mario 3D All-Star, pardon. Et ça, c'était très, très, très intelligent de Nintendo. Le vrai fond de Nintendo commence maintenant, le gros carton commence l'année prochaine avec Metroid, qui lancera les hostilités, bien évidemment, avec une trilogie en amont, ça c'est clair, parce qu'il va falloir préparer les joueurs. Puis sortira Metroid Prime 4. On nous aurons, j'ai noté, c'est pour ça, pour pas dire de bêtises, Pikmin 4, qui fera aussi son entrée. La suite des Lapins Crétins, qui est en développement, le premier a très bien marché, les retours ont été très très bons, qui arrivera aussi. Et puis, il y a 3 jeux de Monolith qui sont en dev. Comme je vous dis, on aura quelque chose cette année, une annonce cette année. Le nouveau Zelda Breath of the Wild 2 qui sortira et Mario, forcément. La suite de Mario Odyssey, on va l'appeler comme ça parce que je n'ai pas le nom, qui, elle, sortira en même temps que le film. Il y aura vraiment une volonté de... En même temps, ou au moins dans une fenêtre de 3 mois. Je ne sais pas si le film sortira pour l'été 2022. Ou pour les fêtes 2022, ça je ne le sais pas, même si ils auraient voulu sortir avant. Donc ça c'est vraiment des trucs. Après il y a bien évidemment, pour un tout petit peu plus loin, on peut envisager l'arrivée d'un nouveau Mario Kart, parce que même si le Mario Kart se vend très bien, je pense qu'il va arriver sur un déclin après le Noël 2021, je pense qu'il va être encore en odeur de sainteté jusqu'en fin d'année, et puis petit à petit, ça va tout de même se déliter un tout petit peu parce qu'il va y avoir une nouvelle console, un nouveau hardware qui va être annoncé. Et donc forcément, ça va forcément un tout petit peu ralentir. Et je pense que c'est le meilleur moment pour annoncer une vraie suite à Mario Kart 9. Et ça, ce serait très très fort, très très judicieux. Je pense voilà, que Nintendo est dans une situation extraordinaire. Les 130, les amis, vous êtes des amours. Je vais faire un petit tour sur Twitter avant de conclure sur la partie sport de Nintendo. Qui est une partie quand même très intéressante. Bien sûr, je vais continuer à prendre quelques questions. Sur Twitter, les amis, est-ce que vous avez déserté ou est-ce que vous êtes là ? Puyo, on t'aime, mon Doudaway qui est là, que j'embrasse très très fort.
Du Dark, je t'embrasse, voilà, mais oui, volontiers. Très bien, les amis. Bon, vous êtes un petit peu timide hein, sur les setups. Hein. J'espère que vous lâcherez un petit peu. Vous aurez le temps la prochaine fois, semaine prochaine, de préparer quelques belles photos de votre setup toute cette semaine pour les lâcher la semaine prochaine. Je compte sur vous, les amis, pour le faire. Alors, il y a un point que je voudrais aborder. Mais avant ça, je vais prendre quelques petites questions. Allez-y, balancez des questions, je vais essayer d'y répondre. Du Dark Dict, ça va être très difficile pour Mario Kart parce que vu la qualité du 8, c'est vrai que le challenge est énorme. Et on comprend Nintendo, c'est un petit peu comme F-Zero GX, ça va être un sacré challenge de faire mieux. Chris Lyon qui nous dit Nico, peut-on encore espérer un retour de Golden Sun un jour Nintendo tenait son bon RPG, son JRPG? Je vais te dire un truc, les propriétés intellectuelles, elles existent, elles sont là. Nintendo sait, parce qu'ils ont les chiffres, ils savent. Ils regardent bien évidemment le calendrier, s'ils n'ont pas de JRPG. Pour le moment, des JRPG, ils en ont. C'est-à-dire qu'on a quand même du Xenoblade 2, du Torna, du 3, on a eu les Is, on a eu Bravely Default 2, on a eu Octopath Traveler. On en a. Donc, est-ce que c'est la priorité pour eux de sortir un Golden Sun? Je ne pense pas. Ils ont ce qu'il faut pour l'instant sur le planning. Est-ce qu'il peut revenir? Bien évidemment, je pense que c'est très important pour Nintendo de ne pas s'endormir sur ses lauriers et de rester que sur ses propriétés intellectuelles. Donc, il est évident que ces jeux reviendront. Pop-up nous dit Mercury Steam bosse encore pour Nintendo. Oui, je réponds oui, Pop-up. Il y en a qui aimeraient revoir un Diddy Kong Racing, nous dit R-Pose. Bien sûr, j'aimerais beaucoup voir aussi un Diddy Kong Racing, mais là, ça me paraît un petit peu plus difficile. Persona 6 exclut Nintendo, quoi, je rêve, nous dit du Dark, Persona 6. Bah, je ne connais pas très bien la franchise, je sais que je connais l'engouement, je vois l'engouement, les gens, vous êtes comme des fous avec ça. Maintenant, est-ce que... Je ne sais pas, on voit bien que c'est compliqué, Persona, même si on a eu Joker sur Smash. Déjà, si on avait le 5, ce serait déjà pas mal, j'imagine, pour ceux qui attendent ça. Je vais terminer cette émission sur un point qui est quand même important, sur le sport. Le sport, j'en ai un petit peu parlé chez Yannick et Roman l'autre soir avec Thibaut. Je pense que quand vous regardez l'historique de Nintendo, dans ses propriétés intellectuelles, il y a une gamme sport qui est quand même très présente. Sur NES, on a eu du soccer, du tennis, du hockey, du golf, et tout ça estampillé par Nintendo, qui sont leurs propriétés à eux. Et sur Super Nintendo, il y a eu très peu de tests. Il y a eu Super Tennis, je crois. Il y a eu peut-être Super Soccer. Je ne sais pas si c'était eux, ça, je me souviens plus. Vous me direz dans les commentaires. Et puis après, on voit qu'il y a eu du sport avec des noms qui ont été développés sur Super Nintendo, notamment Pilot Wings, qui est un peu le premier jeu de sport aérien pour Nintendo. Et puis après, sur Nintendo 64, avec l'arrivée de Wave Race, l'arrivée de 1080, Snowboarding. Et puis après, ils ont testé aussi sur 64 avec NBA Courtside, Left Field Studio, Excitebike aussi. Il y a eu des tentatives. Puis sur GameCube, ils ont retenté un petit peu avec 1080 Avalanche, Wave Race Blue Storm. Ils ont intégré Mario aussi dans le sport avec Electronic Arts, notamment sur SSX. Puis sur NBA aussi. C'était NBA Street, si je dis pas de bêtises. Donc Nintendo. Toujours tester le sport, mais depuis la Wii, il y a la gamme Wii Sport qui est née, mais sur Wii U, cette gamme n'a pas prise, et puis plus rien. Je crois qu'aujourd'hui, Nintendo a un besoin, en termes de segment du marché, de toucher le sport. Et toucher le sport, ça passe par différentes catégories de sport, pour avoir un public un peu plus large. Ça passe pas forcément par l'utilisation de ces mascottes comme Mario Tennis qui a très bien marché ou Mario Golf qui va arriver et Mario Striker qui arrivera aussi. Ça passe pas forcément non plus sur la gamme Ring Fit et Wii Fit qui est un sport différent. Je parle vraiment là de jeux de simulation de sport qui ont un côté réaliste dans leur gameplay mais un peu cool dans leur esthétique. C'est vraiment, je trouve que Wave Race et 1080 Avalanche ont vraiment cette patte. Moi, je souhaiterais, et là, je ne sais pas, hein, la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent, il y a une chose qui a été officielle et une chose que je peux vous dire.
qu'on m'a dit, la chose qui est officielle, c'est que le producteur de Wave Race, quand la Nintendo Switch est sortie, a dit qu'il aimerait bien revoir revenir Wave Race sur Nintendo Switch. Rob Haywood, Hakari Ayami, pour ceux qui se souviennent de ces noms-là, bien évidemment, 1080. 1080. Il avait dit justement qu'il aimerait bien voir revenir la franchise Wave Race. Et moi, je vous dis, mon intuition, c'est que cette franchise Wave Race risque de revenir pour la sortie de la Nintendo Switch Pro. Parce que si on regarde le timing, c'est un timing, quand il l'a annoncé, la console était sortie, la demande explosait. Pour Nintendo, c'était un bon moment d'essayer de communiquer sur des anciennes gloires pour teaser un peu. Et 3 ans s'est passé, ce qui est à peu près le temps de développement d'un jeu, à peu près, entre sa pré-production et sa production. Donc il est assez envisageable d'imaginer qu'un Wave Race soit prêt dans les tuyaux chez Nintendo et puisse, comme ça, pour montrer un petit peu la technique de la Nintendo Switch Pro, comme un jeu vitrine, sortir l'année prochaine. Alors là, je rêve bien évidemment un peu, hein, je rêve avec vous, c'est pas des choses que je sais, mais je rêve un petit peu avec vous. La chose que je sais, c'est qu'une personne chez Nintendo of America, qui est quelqu'un de très haut placé, avec qui j'ai une bonne relation, m'a dit un jour que Mi80 et Wave Race faisaient partie des jeux qui leur étaient le plus demandés de développer. Je m'explique. Beaucoup de studios indépendants, dans leur temps off, font du prototypage d'idées et essayent de signer des contrats avec des constructeurs. Et les deux jeux qui revenaient beaucoup, c'était Wave Race et Mi80. Donc beaucoup de petits studios indépendants ont créé des prototypes de Wave Race 1080 et les ont montrés à Nintendo of America. Nintendo of America, moi de ce que je sais, en tout cas, a toujours décliné ses offres. Ce qui permet de dire que Nintendo est conscient du désir d'un retour de ses licences sportives. Et en même temps, Nintendo est toujours dans le secret parce que Nintendo of America ne sait pas toujours, et très peu d'ailleurs, ce que fait NCL, donc le siège social de Kyoto, en termes de développement. Moi, je prends une pièce tout de même sur le retour de Wave Race, probablement l'année prochaine. J'ai envie de rêver, là, c'est un pari avec vous, ça se trouve, je vais me tromper, mais j'ai envie de prendre ce pari parce que j'ai envie de rêver un petit peu aussi avec vous. Encore une fois, moi, je ne sais pas tout. Et j'avais envie de conclure justement cette deuxième émission avec vous sur cette dernière chose. Moi, ces jeux me font rêver parce qu'il y a quelque chose de nature à mort, il y a un feeling good manette incroyable. Et ils ont un univers génial qui pourrait adapter, c'est-à-dire que les personnages de Wave Race, Rob Haywood, Hakari Ayami et les autres, d'ailleurs, se recroisent dans Mi80 et Wave Race, mais ils pourraient se recroiser dans Pilot Wings. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient créer cet univers avec tous ces personnages-là dans une gamme sport, dans une gamme avec Pilot Wings, dans une gamme avec un NBA Street, dans une gamme de motocross comme Excitebike. Je pense ils ont cet univers. Et ils devraient réappeler le fameux Nintendo Extreme Sports qui existait à l'époque sur Nintendo 64, avec ce joli logo N en 3D, avec le fond noir marqué Extreme Sports, qui était top. Moi, j'espère du plus profond de mon cœur, ça c'est vraiment un désir de fanboy, de voir revenir une catégorie sport chez Nintendo. Voilà les amis, je vais vous prendre quelques petites questions. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis en bout de course, je suis épuisé, je suis lessivé. Les plus de 10 jours de live tous les soirs, c'est quelque chose d'assez hardcore parce que c'est pas mon métier. Moi, je travaille aussi à côté. Je peux vous garantir que c'est très sport. Hein. Mariana a quand même réussi à m'accompagner dans la majorité de ses lives, mais les lives seuls, c'est pas du tout le même entraînement. Vous avez bien vu, j'essaye de vous divertir avec des choses sensées, développer, de tenir le truc. Franchement, je suis extrêmement enthousiaste avec vous. C'était juste fantastique. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés, qui follow la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense qu'on va arriver bientôt à 1000 d'ici quelques jours. C'est fantastique pour notre chaîne, hein. C'est que le début. On est très humble. On vous remercie énormément. Merci à ceux qui nous soutiennent aussi avec les subs, hein. Ça permet d'améliorer la technique, le matériel. C'est franchement un énorme merci. Je vais vous demander de faire une pluie de Triforce et une pluie de cœur, parce que j'ai envie de rester là-dessus. Voilà, j'ai envie de rester sur ce côté positif. Je vous demande la semaine prochaine, les amis, de préparer une jolie photo de vos setups,
pour qu'on puissiez inonder vos setups. Franchement, moi, ça me fait kiffer, surtout les collections, hein. C'est vos collections, vos jolis objets de collection. Pensez-y, ça nous ferait énormément plaisir, parce que moi, je suis assez un adepte, hein. Je vous montre, voilà-y, ma belle statue d'Okami Amaterasu de First Four Figure, ou ma Mario et Yoshi derrière, et puis mon compagnon de route qui est toujours là pour vous, qui continue à nous divertir maintenant depuis 35 ans. Qu'est-ce que tu en penses, mon Mario? Demain, on a une belle photo à faire tous les deux. On a une très belle photo. Mamma mia! En tout cas, voilà, un pan de mur Amiibo non déballé en photo Crisis Glam. J'ai hâte de voir ça. Franchement, je me réjouis à te voir parce que ça nous apprend aussi à vous connaître. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour terminer projet Blair Witch, sur lequel on a vraiment frissonné. Je répondrai full tap juste à ta question avant de terminer. Et puis on t'enchaînera sur un autre jeu d'horreur. Ce sera peut-être Alien Isolation ou peut-être Resident Evil 6, auquel on va jouer avec Mariana à deux. Ça va être topissime. Et lundi soir, on se retrouve pour une émission exceptionnelle où je vous emmène dans notre cuisine avec Mariana et je vais vous faire découvrir de la cuisine japonaise, des choses que j'ai apprises au contact du chef avec lequel je travaille. Mike Nintendo dit sur Instagram des bouts de collection Nintendo, c'est bon. Mais oui, partagez, il n'y a pas de problème. Et puis il y avait Full Tap qui disait oui, mettez vos photos sur Discord, c'est fait pour ça. Allez sur le Discord parce que y a une communauté qui est en train de grandir, c'est bon enfant. Partagez vos photos, vous pouvez le faire. Il y a des chats vocaux, il y a plein de petites choses qui sont en train d'être améliorées, bien évidemment. Et puis un Zelda 99, on aimerait bien voir un Zelda 99. Pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis merci du fond du cœur. Merci de votre soutien, de votre gentillesse. Merci d'avoir été encore si nombreux ce soir, d'être présents, de rester jusqu'au bout. Franchement, c'est extrêmement touchant. Je vous embrasse très très fort. Le lien Discord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le partager, le lien Discord, les amis? Est-ce que quelqu'un peut le partager? Ok pour Discord, alors merci. Oui, partagez le lien Discord dans le chat, les amis. Sinon, je le partagerai sur Twitter. Demandez-le-moi sur Twitter, je vous le partagerai sur Twitter au cas où. Ok? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon 1er mai demain. Reposez-vous en famille. Jouez un peu en espérant que s'il ne fait pas trop mauvais, allez prendre un petit peu l'air. Et puis, on se retrouve dimanche soir. Je vous embrasse tous très fort. Merci Kishvou qui est là. Merci pour le lien Discord. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Force à tous et vive Nintendo.